n'aimerais pas mieux que ce soit dans la Creuse. Non, dans la banlieue Est. Pour moi, la banlieue de Paris, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Et je te fiche mon billet que c'est là qu'on se retirera pour y finir nos jours. Mais c'est pas la peine qu'on en parle déjà, avant que nous y soyons. Il passera des années. Tu crois que monsieur le baron vivra jusqu'à 100 ans? Mais il n'a pas l'air de prendre le chemin du cimetière, grâce au bon Dieu. Et nous ne serons pas restés plus de 20 ans chez lui pour en partir avant. Avant ce que je pense. Et puis ce qu'il faut que tu comprennes bien, c'est qu'il n'y a peut-être pas sur Terre un patron qu'il vaille. Pense qu'il n'est pas marié et qu'il n'a pas d'enfant. Pas même une petite amie depuis bientôt 2 ans. Ce qui fait qu'en somme, il n'a que nous. C'est pourtant vrai. Et ben alors, tu comprends? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce bonbon? Du chlorate de potasse, il a toussé à son réveil. Quant à toi, tu pourrais te dispenser de lui présenter sa canne béquille, mais s'il a plus son lumbago. Je peux pas le deviner. Tu ne devines jamais rien. Oh, je te voilà. Ah, bien sûr, ils sont là. Elle pense à tout. Elle m'entend tousser. Alors voilà, j'ai droit à un bonbon aujourd'hui. Merci. Ah! Question fort délicate, mais déjà résolue d'ailleurs. Et j'en profite, Victor, pour vous faire chevalier. Voilà. Et ne me demandez pas de quoi, car de quoi que ce soit, ça n'a jamais aucune importance. Vous allez bien? Très bien, monsieur le baron. C'est l'essentiel. Vous, je ne vous le demande pas, nous nous sommes déjà vus. Il faut me le dire, n'est-ce pas, que vous êtes souffrants l'un ou l'autre. Mais nous ne sommes pas souffrants, monsieur le baron. Ah, oui, je sais bien, mais ça peut vous arriver. Ah, comme à tout le monde. Or, justement, nous ne savons jamais, nous autres, quand vous êtes souffrants. Ben, faut nous le dire et ne pas attendre d'être malade pour nous en aviser. Ah, voilà. On est bien comme ça ici, tous les trois. Oui, monsieur le baron. Vous êtes heureux chez moi. Mais oui, monsieur le baron. Vous mangez bien, vous dormez bien. Très bien, monsieur le baron. J'espère qu'Onésime vous faites bon petit plat. Mais certainement, monsieur le baron. Puis il n'y a pas trop de travail non plus. Oh non, monsieur le baron. Non, parce qu'il ne faut pas trop en faire, vous savez. Pour ça, il n'y a pas de danger. Il faut que ce soit un plaisir de faire son service. Sinon, alors, ça devient une peine et on finit par s'en lasser. Ah, mais vous voyez, je me rends très bien compte de ce que votre métier, comme tous les métiers d'ailleurs, pourrait avoir d'assez ingrat si vous le faisiez à contre-cœur. Mais il n'en est pas question, monsieur le baron. Alors, tout est pour le mieux. En tout cas, monsieur le baron peut être certain d'une chose, c'est que personnellement, je ne m'en lasserai jamais tant que monsieur le baron sera content de mes services. Oh, elle tourne bien le compliment, hein? Quand est-ce que notre métier pourra avoir d'ingrat dans d'autres circonstances, monsieur le baron est dans le vrai. Il est certain qu'un jour, on finit par s'apercevoir qu'on a passé sa vie à ouvrir et à fermer des portes, à annoncer des gens, à traverser des pièces, pas des pièces de théâtre, non? Oh, ben, j'avais bien compris. C'est gentil de me mettre les points sur les i, mais j'écoute quand même. Non. Je veux dire des chambres et des salons sans jamais s'y arrêter, à ranger des fauteuils sans jamais s'y asseoir et à faire des lits sans jamais s'y coucher. Je n'ose pas me permettre, en présence de votre mari, de vous proposer de coucher dans le mien. Ah, ça les fait rire, c'est déjà ça. Et puis il y a d'autres questions encore que ça soulève quand on regarde exprès le mauvais côté des choses. Mais bien sûr. Il y en a qui vous diront que de parler toujours à la troisième personne, ça leur porte sur les nerfs. Ben tiens. Il y en a qui vous diront... Oui. Que de toujours recevoir des ordres. Ah, hein, oui, sans jamais pouvoir en donner à leur tour. Oh, ben, ça finit par exaspérer. Oui, oh, mais rien ne m'échappe, vous savez. J'en suis certaine. Je vous en prie, Victor. Oh, merci, monsieur le baron. Voilà. Vous fumez pas, vous, Yaron. Vous fumez jamais. Jamais. Alors attention, parce que l'excès en tout est un défaut. Dites-moi, Irma, vous aimeriez avoir une bonne... Avoir une bonne? À votre service. Je ne comprends pas très bien ce que monsieur veut dire. Vous savez pas ce que c'est qu'une bonne? C'est une femme de chambre. Voilà, vous aimeriez la marine? À mon service? À votre service. Ah oui, alors. Mais en ce moment, monsieur plaisante. Ah, mais pas du tout, je vous en offre une si vous voulez. C'est vrai? Absolument. J'en ai la respiration coupée. Ah ben non, reprenez-vous. Je peux prendre la fille de la concierge? Pourquoi pas? Elle est sans place. Alors sautez dessus. Enfin, quand je dis sauter dessus, nous nous comprenons, n'est-ce pas? Je ne vous demande pas d'agresser cette malheureuse enfant qui a dû en voir d'autres, je pense. Non, mais... Vraiment, je peux? Ça me fera plaisir. Ah bah pas tant qu'à moi. Alors elle sera à mon service. Uniquement. Je pourrais même lui donner ses 8 jours si je voulais. Oui. Oh merci. Elle la sent déjà tellement à elle que sa première pensée c'est de la foutre à la porte. C'est merveilleux. Oh merci monsieur le baron. Dites donc Irma, je pense à autre chose. Portez donc ses appointements sur votre livre. À vous, comme ça c'est vous qui la paierez. Oh oui, très bonne idée. Oui, je crois, oui. Merci monsieur le baron. Merci monsieur le baron. Vous me remerciez aussi, vous? Ah oui, parce que comme ça, elle va me laisser un peu tranquille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle téléphone chez la concierge, déjà? Ah non, c'est le téléphone qui avait sonné, monsieur le baron. Je n'ai pas compris ce que vous venez de dire. Non, c'est le téléphone qui avait sonné, monsieur le baron. Ah, ben oui, oui, madame, oui. C'est de la part de qui? Qui est-ce?
Dieu. Non, ça m'étonnait. Je n'en suis pas absolument certaine, madame la comtesse. Je vais m'en assurer et je reviens tout de suite. C'est madame la comtesse de Morange qui demande à parler à monsieur le baron. Ah oui, j'ai pas compris un mot. Madame la comtesse de Morange. Ah non. Oh, on va pas recommencer à m'embêter, celle-là. Mais ça fait un bon bout de temps qu'elle ne téléphone plus. Ah bah je pense bien. Tiens, je lui avais expressément défendu quand nous nous sommes brouillés, pardon. C'est donc qu'elle doit avoir une raison sérieuse pour se mettre de le faire. Bon, vous plaisantez, vous la connaissez comme moi, c'est une folle. C'est une évaporée qu'aucun motif sérieux, jamais, n'a fait agir. Oh. Allô? Oui, bonjour, bonjour. Mais ma chère amie, vous ne vous souvenez donc pas que nous sommes brouillés, vous et moi? Ah, vous, vous ne l'êtes plus? Bah oui, c'est très facile comme ça. Ah oui, moi je le suis toujours. Oh là là, oui. Oh, plus que jamais. Oh, bah elle pleure maintenant. Non, n'en prenez pas tant d'ombrage. Vous savez, à la vérité, c'est moins avec vous que je suis brouillé qu'avec tout le monde. Voilà bientôt 2 ans. Que je ne veux plus voir personne et vous êtes tous logés à la même enseigne. Ah, ce qu'il y a d'écrit sur cette enseigne. Non, ça c'est un trop gros mot, comtesse. Je ne peux pas me permettre de vous le dire dans l'oreille comme ça. Oh, ben vous avez deviné. Ben vous voyez, vous avez des vocabulaires quand vous voulez. Oui, les emmerdeurs, comme vous dites si bien. Ben, je les appelle ainsi pour 5 ou 6 raisons. Leur asservissement à des coutumes absurdes, leurs opinions qui sont précaires, leur patriotisme limité par l'impôt, et puis mon âge aussi qui commence à m'en éloigner, ma myopie d'autre part, qui augmente à vue d'œil, et, enfin, si je puis dire, et mon commencement de surdité, que je considère désormais, lui, ah, comme un avertissement salutaire du ciel, puisque les gens n'ayant jamais à vous dire que des sottises, il n'y a vraiment aucune raison de les leur faire répéter. Oui, ça c'est exact. Mais ça vient de ce qu'on téléphone, j'entends bien. Il y a la raison pour laquelle je déteste qu'on téléphone. Oui, j'aime pas qu'on se sert de mes affaires. Bah, écoutez, ma chère, réfléchissez. Ce téléphone est à moi. Et aussi longtemps qu'il vous plaira de rester à l'appareil, il me sera impossible de m'en servir moi-même. Ah, j'ai des aperçus ingénieux. C'est pas comme ça que vous voyiez la chose. C'est pourtant comme ça qu'il fallait l'entendre. Je vous demande une seconde. Dites-moi pour le second appareil que j'attends depuis 2 semaines. Il vient de l'installer aujourd'hui. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il vient de l'installer aujourd'hui. Aujourd'hui? Mais c'est miraculeux. Mieux vaut tard que jamais. Comment? Oui, un second appareil. Écoutez, si vous avez entendu, c'est pas la peine de me faire répéter. Alors, c'est dévice. Donc, le numéro ne figurera pas sur l'annuaire, celui-là. Je vous le jure. Que je ne veux même pas connaître. Tenez, Victor. On n'est pas tenté de vous le donner un jour, à vous. À quoi il me servira ce téléphone? Bah, à demander des numéros de téléphone, ça m'a dit. Ben non, ce ne sera pas la même chose. Écoutez, ma chère amie, faites-moi plaisir. Réfléchissez maintenant avant de parler, voulez-vous. Parce que cet appareil, pas. Il n'y a que moi qui m'en servirai. Il y aura enfin dans cette maison un appareil qui ne servira à personne d'autre qu'à moi. Ce sera mon téléphone. Puis celui dans lequel je vous parle en ce moment, ben, il va devenir bientôt le téléphone des autres. Oh non. Oh non. C'est l'heure, ça? Hein? Mais non, bien sûr. Oh, ben vous n'êtes pas du tout. Bien sûr que non, je ne deviens pas misanthrope. J'ai pas entrepris de corriger les gens, vous savez, il y aurait trop à faire. Ils ne m'inspirent aucune haine. Et si je m'en suis éloigné, c'est précisément pour ne pas tomber dans ce travers. Non, je vais vous dire. Elle pose des questions, puis elle n'écoute pas. Oui, mais moi, puis elle crie là-dedans, c'est une horreur. Taisez-vous, ta voix! Oh, mais fait peur, c'est elle qui a peur. Oh, mon Dieu. Non, 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 je voulais vous dire, calmez-vous, que le jour où le destin me mettrait devant les yeux, un homme, un seul, une femme d'ailleurs, digne de compassion, d'amour ou d'intérêt, alors là, je lui ouvre les bras, grand comme ça, vous voyez, mais jusqu'à ce jour, fort improbable d'ailleurs, on est prié de me ficher la paix. Ah, ah, je l'attendais, ça y a longtemps que je ne l'avais pas entendu. Un égoïste. Est-ce que vous savez seulement ce que c'est qu'un égoïste? Ma chère amie, non, 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 cherchez pas à vous le dire, moi. Un égoïste, c'est un monsieur qui préfère choisir lui-même ses égoïstes. Ah oh, oui, eh bien, réfléchissez-y, vous voyez, c'est très profond. Non. Oh, des bêtises. Non, mais oui, je vous coupe la parole, parce que si je vous laissais faire, vous en arriveriez à me souhaiter des malheurs et des infirmités pour avoir eu raison. C'est probablement ce que vous appelez de l'altruisme, vous. Ça, j'ai peur qu'ils ne connaissent pas le mot. Oui, c'est très gentil, ça part d'un bon sentiment. Mais dites-vous bien une chose, c'est que moi, voilà 2 ans que je mène exactement la vie qui me convient. Ah, pourquoi depuis 2 ans? Ça, c'est mon affaire. Non, ça ne vous regarde pas. Vous voulez que je vous le dise? Je vais vous le dire. Parce que voilà 2 ans que je n'ai pas fait l'amour.
Et ça, c'est un souci de moins pour moi considérable. Mais si, madame, tant que vous pouvez faire l'amour avec n'importe quelle jolie femme, vous devez continuer, même vous avez le droit d'en aimer qu'une seule. Mais quand vous ne pouvez plus n'en aimer qu'une seule et que c'est pour toute la vie, vous vous rendez compte, oh là là, attention, parce que vous courez le danger de tomber sur une garce. Oui, ou de devenir un vieux cochon. Oui, mais je vous avouerai franchement, moi j'ai aucune admiration pour tous ces vieillards dont on nous dit qu'ils arrivent à le faire encore. Si je comprends pas ce que vous dites, vous parlez trop vite. Si j'avais à côté de moi, quoi? Une femme de votre âge? Ah, ça perd l'hypopète, comme disait mon grand-père. Bah, vous me la baillez belle, qu'est-ce que j'en ferais alors, cette femme? Comment je vivrais avec elle comme si je l'avais depuis 30 ans? Mais vous avez des idées saugrenues, ma chère amie. Si je l'avais depuis 30 ans, je l'aurais vu vieillir alors. Oh, bah précisément, j'aurais jamais pu voir une chose pareille, moi. Mais vous vous rendez compte? Quelle cruauté pour la malheureuse. Ah non, j'aimerais mieux en épouser 5, 10, 15, plutôt que d'en voir vieillir une seule. Par respect. Ah non, non. Oh, taisez-vous, tentatrice. Non, 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 non. Non, c'est fini tout ça, fini! Plus de femmes, pas de famille et plus d'amis. Oh, ben c'est leur rêve, en somme. Ah, ça c'est fou ce que vous me dites là. C'est inimaginable, même surtout à moi. Trouvez-en un autre. Comment je ne crois à rien, mais je crois, et de toute mon âme, je crois aux trahisons d'amour et d'amitié. Je crois à l'injustice et à la fripouillerie. Je crois à la bêtise, bien sûr. Je crois à l'insolence, tiens, et à l'ingratitude, naturellement. Alors ne venez pas me dire que je ne crois à rien. Oui. Ça aussi, c'est très gentil. Mais encore une fois, n'ayez aucune inquiétude en ce qui me concerne, parce que moi, je vis entouré de visages heureux, affables et souriants. Ce que sont ces visages? Ceux de mes serviteurs. Oui, je me suis pris d'un amour fou pour ces gens-là. Je m'offre leur service, je me paye leur dévouement, alors je connais le prix de leur fidélité. Vous croyez qu'ils se moquent de moi? Eux se moquaient de moi dès que j'ai le dos tourné. Oh mon Dieu, eh ben, et vous? Mais oui. Oui, vous et tous les autres. Vous ne vous en priviez guère quand vous veniez de dîner chez moi. Mais il y a des glaces, vous savez. Non, voyez-vous la différence avec eux? C'est qu'on en change, et davantage aussi. Aussitôt qu'on les a assez vus, il y en a toujours, tant qu'on en veut. Parce qu'il n'y a pas encore de bureau de placement pour amis sans emploi ou pour famille de rechange. Oui. Alors, ce que vous me répondez, ça prouve que vous n'avez rien écouté ou rien compris. Ce qui est souvent la même chose, d'ailleurs. Mais bien sûr que non, c'est le contraire que je vous ai dit. Mais comment? Mais on est très injuste avec les domestiques. Ce sont des gens qu'on devrait combler d'égards. Songez donc que nous leur confions tous nos secrets. Ils ont les clés de nos tiroirs. Nous remettons notre santé entre les mains de nos cuisiniers. Ils nous frictionnent, ils nous habillent, ils nous dorlotent. Et puis alors, ils nous cachent leurs sentiments. Ce sont d'admirables menteurs. Et comme ils savent bien prendre soin de nous à notre heure dernière, avec empressement. Mais tout se paye, ma chère amie. C'est le sage qui disait le sage. Oui, ça ne m'étonne pas, il faut lire davantage. Alors. C'est le sage qui disait que la justice est une si belle chose qu'on ne saurait jamais la payer trop cher. Ben, vous savez, il avait bougrement raison, ce diable d'homme. Et il en va de même pour la tendresse, pour le dévouement et pour l'amitié. Et je ne suis pas fâché d'en savoir le tarif. Alors là-dessus, je vous quitte. Oh, déjà, dit-elle. Mais vous vous rendez compte du temps que vous m'avez fait perdre? Ah ben non, bien sûr, pas vous, parce que vous avez entendu des choses intelligentes, c'est toute la différence. Oh, ah, ben bien sûr, tiens, que je plaisante. Ce que je fais, je sors. Là, je vais me promener, ma chérie, il fait un temps superbe. Oh oui, tout seul, oh là là, comme un grand garçon que je suis, voyez-vous? On a sonné, monsieur le baron. Non, c'est pas à vous que je pose la question, c'est à mon maître d'hôtel qui allait ouvrir, mais... Je me demande bien à qui, d'ailleurs, parce que je n'attends absolument personne. Non, comprenez-vous, vous habiteriez le Maroc, ou mieux encore, l'Alaska, alors là, je serais le premier à vous tendre les bras. Seulement, nous ne sommes séparés que par 21 marches, alors le danger est trop grand. Déjà que je vous ai sur la tête, comme ça, d'un bout de l'année à l'autre. Si nous nous fréquentions, je vous aurais sur le dos du matin jusqu'au soir. Un cher épée de Damoclès. Qui a sonné? Monsieur le baron, à l'instant. Ah oui, je vous remercie, je ne suis pas devenu fou, ça je sais bien. Mais là-bas, dans l'entrée, qui a sonné là-bas? Ah, je ne sais pas, Victor est allé voir. Bon, alors, la crampe. Montrez-moi un petit peu comment vous écoutez aux portes. Oh! Oh, il n'y a pas de haut. Allez, voyez-vous? Que je vous l'ai vu faire au moins une fois de ce côté-ci.
Ah, c'est bien ce que je pense. Faut se plier en deux. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est une voix d'homme, monsieur le baron. Une voix de quoi? J'ai pas compris ce que vous avez dit. Une voix d'homme. Une voix d'âne. D'homme! Une voix d'homme! Parlez-moi sur un autre ton, Yorma. Eh ben alors, si c'est un homme, il n'a qu'à donner sa carte à Victor. Il n'y a aucune raison qu'il parlemente comme ça pendant une heure dans l'antichambre. Vous savez qu'il y a des manuels du savoir-vivre. J'aime pas beaucoup les gens qui m'empêchent de sortir de chez moi. Madame la comtesse, monsieur le baron. Je sais pas ce qui est devenu. Dans la poche de monsieur le baron. Elle est dans ma poche. Vous voyez? Faut qu'elle fourre son nez partout, ça. Ah, oh, puis elle est toujours là, elle est contente, fidèle au poste, hein, c'est le cas de dire. Bon, allez, disons-nous au revoir, monsieur. Encore une question, elle est insatiable. Alors, allez-y. Non, attendez encore une petite seconde. Qu'est-ce que fait Onésime? J'arrête pas de le sonner. Il doit changer, monsieur le baron. De changer de quoi? De tête? Non, de veste, de tablier pour se présenter devant monsieur le baron. Oh, comme maître Jacques. Eh ben, au moins, il connaît Molière, celui-là. Prenez-en ta graine, vous. Bon, alors, allez-y, votre question. Mais allez-y, vite, je vous en supplie. Nous réconcilier! Ah, elle a rien écouté. Onésime est là, monsieur le baron. Jamais de la vie, il n'y a aucune raison, ma chère amie, pour que nous nous réconcilions. Est-ce que vous savez faire le Vorloff? Non, pas vous, c'est pas vous que je pose la question, c'est à mon chef qui vient d'entrer dans mon salon. Est-ce que vous savez faire le Vorloff? Le Vorloff? C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas comme ça que j'appelle ce veau-là, monsieur le baron. Les noms de plats, n'est-ce pas? Ça dépend des livres de la musique. Bon, il parle en ce moment. Oh, alors oui, rien, ça ne vient pas, parce que là, vous voyez, rien. Il faut peut-être se prévenir quand même que je suis devenu un peu dur d'oreille depuis un certain temps. Allez, plus haut! Plus haut! Plus haut! L'Orloff de monsieur le baron, oh, comment se présente-t-il? Mon Orloff, à moi, il se présente rôti, truffé, avec une garniture de champignons, vous avez raison. Moi? Non, pas vous, c'est à elle que l'on entend parce qu'elle me dit qu'il faut une garniture de champignons. Et votre mari? Il sait pas du tout faire la cuisine. Oui, ça vous regarde, c'est du privé, c'est parce que je vous demande qu'est-ce qu'il fait dans l'entrée. Ça fait une heure qu'il est dans. Vous voulez pas ce qu'il fait dans l'entrée? Allô? Comme... Ah, nappé d'une béchamel au parmesan. Ah, ça c'est de Polignac. Pourquoi l'appelez-vous Rossini? Non, je l'appelle Polignac. Non, c'est elle qui l'appelle Rossini. Oh! Qu'est-ce que vous faites? Il ne peut pas être Rossini, en tout cas. Voilà Victor, monsieur le baron. Il ne peut être Rossini que s'il y a du foie gras. Voyez ça avec. Parlez un peu tous les deux, vous me direz après. Allô? Alors voilà, c'est un homme qui demande à voir monsieur le baron. C'est Onésime. Que monsieur le baron m'excuse, on ne peut pas appeler ça un monsieur. Non, madame la comtesse, il est peut-être Rossini que s'il y a du foie gras. Mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Bah, c'est Onésime, monsieur le baron. Ah là, je sais, je vois, ça va bien de ce côté-là, je vous remercie. Oh, oui, mais dans l'entrée, qu'est-ce que c'est là-bas? Oh, pardon, c'est une espèce de clochard. De clochard? Avec en plus une drôle de tête. Je ne me permettrai pas de dire à madame la comtesse qu'elle se fourre le doigt dans l'œil. Si, dites-le lui. Même ça, ça nous fera plaisir. Et parlez un peu moins fort. Non, non, ça me rase. Avec il dit qu'il voudrait du travail. Du travail? Mais entre nous, je crois qu'avec un peu d'argent, monsieur le baron verrait la fin. Il vous a fallu une heure pour comprendre. Ah, monsieur le baron, c'est bien que lorsque les gens commencent à vous raconter leur malheur, ils n'en finissent jamais. Et bien que madame la comtesse vient de faire elle-même. Quoi? Son Rossini, c'est un peu. Vous plaisantez de quoi je me mêle, mais qu'est-ce que vous me prenez? Donnez-moi ça immédiatement. Vous ne bougez pas, vous ne descendez pas, je vous l'interdis. Enfin, voyons, mais ni Polignac, ni Rossini. Oh, écoutez, vous plaisantez, vous me voyez téléphoner à madame de Polignac pour lui demander la recette de son rôti de veau. Alors, oui. Oh, est-ce que vous avez 1000 francs sur vous? Non, pas vous! Mais cessez de vous prendre le nombril du monde! Est-ce que vous avez 1000 francs sur vous? Moi! Non, pas vous! Vous! Moi! Oui, vous! Est-ce que vous avez 1000 francs sur vous? Moi, je les ai, monsieur le baron! Bon, alors, donnez-les-lui! À moi! Ah! Mais c'est une conjuration! Il n'y a aucune raison de vous donner 1000 francs, ni à l'un, ni à l'autre, c'est pour le clochard! Allez, oh, une seconde! Ah! On va me gâcher ma journée! Oh! Ah! Ah! Je trouve odieuse cette mendicité à domicile. C'est odieux. C'est odieux. Il ne devrait plus y avoir de pauvres. Oh non. Non. Ça gêne. Bah oui, ça gêne. Et puis c'est immoral. C'est immoral. Écoutez, c'est inadmissible que dans une époque qui se veut évoluer comme la nôtre, il y a encore des gens qui meurent de faim. C'est inadmissible. Ah bah, c'est inadmissible pour deux raisons. La première, ils ont faim. Et puis la seconde, ils coupent l'appétit aux autres. Alors, je ne sais plus, moi, alors, ni Rossini, ni Polignac, faites-moi, un petit bout de veau tout bête, comme ça. Avec des nouilles. Ah oui, j'ai envie de ne plus discuter pas, je vous remercie, Onésime. Et votre femme, alors, qu'est-ce qu'elle fait? Monsieur le baron, j'ai l'impression qu'elle rit. Elle quoi? Elle rit? Que monsieur le baron tende l'oreille. Vous savez, ce serait pas suffisant, vous savez, que je tende l'oreille, faut que j'y aille avec.
Mais c'est pourtant vrai qu'elle arrive. Mais où se croit-elle? Allez me la chercher immédiatement. Mais il y a un vent de folie, ma foi. Irma, qu'est-ce qui vous prend? Voyons. Oh, que monsieur le baron pardonne, mais il est tellement drôle. Qu'est-ce qu'il vous raconte de si désopilant? Son enfance, monsieur le baron. Et en la racontant, il pleure. Il est tellement drôle quand il pleure. Ah oui, et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, vous avez encore les 1000 francs? Oui, il fait des difficultés pour les prendre. Bah écoutez, on n'a pas tout perdu, on a entendu ça. Oh, c'est superbe, il fait des difficultés. Oh, non, ce n'a que trop duré. Donnez-lui les 1000 francs et flanquez-le dehors. Laisse-moi le faire, monsieur. Oh non, non, pas toi. Oh, bah vous pensez, oh, elle veut rire encore. Non, je suis pas fatigué, je vous remercie. Non, le téléphone, monsieur. Ah oui, c'est faut être partout. Alors, attention, on va... Oui, allô, oui, elle est là, monsieur, elle est là. Vous êtes contente, vous êtes bien là, hein? Vous aimez... Bah, restez-y encore un petit peu, ça m'arrange. Alors? Il n'en veut vraiment pas. Il n'en veut vraiment pas? Ah non, monsieur le baron, non. Il dit que c'est du travail qu'il veut. Oh! J'aimerais voir la tête qu'il a, ce phénomène. Alors ça, c'est quand même inquiétant. Pourquoi m'a-t-elle choisi? Qu'est-ce que c'est que cette librairie? C'est pas un bureau de placement ici. Quel genre de travail veut-il que je lui offre? Si j'étais monsieur le baron, j'appellerais tout de suite un agent et je ferais circuler cet individu et un peu plus vite que ça. Mais figurez-vous que je vous dispense de vos conseils. Enfin, c'est absolument pas normal, n'est-ce pas? Ce clochard qui refuse 1000 francs. Ça, non, monsieur le baron. 1000 francs, c'est une somme. Je vois que nous sommes d'accord. Bon, alors écoutez, Irma, faut en avoir le fin mot. Dans ma chambre, mon secrétaire, tiroir de gauche, vous allez trouver une liasse de 10 billets de 1000 francs avec une épingle, je vais m'aborder ça immédiatement. Ah, oui, bonjour, j'ai déjà vu, vous avez... Non, le téléphone, monsieur le baron. Ah oui, ah, ça me semblait curieux. Alors, allô? Ah, voilà. Vous êtes assise au moins, j'espère, vous. Ah, il m'arrive, vous devez entendre, parce que vous ne bougez pas de là. Il m'arrive que je suis bloqué chez moi parce qu'un clochard, tombé du ciel, s'est incrusté dans mon antichambre. Attendez une petite seconde encore. Merci, Irma, vous... Ah, attendez. Ah, ça va être pratique, ça. Allez. Ah! Ce qui va casser! Alors, prenez ça. Attention, je suis une vraie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 000! Oh! Ah, il n'y a pas de haut! On va bien voir lequel est le plus entêté des deux. Que monsieur le baron ne s'énerve pas! Non, je ne m'énerve pas à proprement parler, mais on se construit une thébaïde. Et le monde est non, non, non! Mais quoi, non, non, non! Il ne veut pas des 5 000 francs. Il continue à dire qu'il ne veut que du travail. Ah, mon Dieu! Bon, on va aller jusqu'au bout. Donnez-moi ça. Donnez-moi l'épingle. Quant à vous, Victor, vous allez immédiatement trouver le concierge de ma part et lui dire que l'escalier de service... n'est pas fait pour les chiens. Vous voulez me laisser finir mes phrases? Bah, c'est que, mentalement, j'avais déjà commencé celle-là, oui, alors... C'est moi qui vous demande pardon. Montrez-moi. Mais où allez-vous? C'est là-bas, le clochard. Faut suivre l'intrigue, mon petit. Il va dire que monsieur le baron est une poire. Ménagez-moi vos compliments, je vous prie. Et il ne comprendra pas que je suis un corrupteur. Voilà Irma, monsieur Bat. Voilà Irma, monsieur Bat. Ah! Oh! Irma! Oh! Mais combien veut-il alors qu'il fasse son prix? Il continue à dire qu'il ne veut que du travail? Ah! Non! C'est du chantage, ça! Bon, allez, faites-le entrer. Oh! Ah, on va bien voir, on est en force. Allez, allez, faites-le entrer. Entrez, monsieur. Allez! Eh bien! Mais où va-t-elle? Où va-t-elle? Alors? Il est parti. Comment il est parti? Il est parti sans argent? Jamais vu ça. Ah, c'est extravagant. Ah, j'ai passé ma colère sur cette dame. Tiens. Allô? Pendant que vous me... Allô? Allô? Ayez besoin des gens. Alors, accrochez la garce. Ah, on a sonné, j'ai entendu, c'est lui. Allez ouvrir, j'étais bien sûr qu'il reviendrait. Et qu'on me l'amène de force, au besoin. C'est madame la comtesse. Ah, c'est bien que tous. Eh oui, oh, c'est Dieu, encore moi. Allons, dites, voyons, allons nous promener gentiment tous les deux. Ah, je veux bien, parce que j'ai besoin de prendre l'air, mais à une condition. Laquelle? C'est que je vous interdis de m'adresser la parole. Ah, moi? Bon, bah alors, alors, ça va? Ça va. J'ai eu un gros rhume, mais enfin maintenant, ça va. Non, je vous parle du téléphone. Ah oui, ça va aller. Je vais essayer tout de suite. Téléphone beaucoup, votre patron? Jamais. Pourquoi veux-tu des appareils, alors? J'en sais rien. C'est peut-être parce qu'il est un peu dur d'oreille.
J'imagine donc qu'avec deux appareils, on entend mieux. Peut-être. Oui, il y a des fous comme ça. Eux qui font de mal à personne. On va voir si ça marche. Allô? Allô, c'est toi, Henri? René, est-ce que Charles est arrivé? Bon, alors écoute, si à 5 heures Robert n'a pas de nouvelles de Jacques, que Serge prenne le métro, qu'il aille chercher Raymond. À tout à l'heure. Marche très bien? Il m'en a l'air, mais ce qui m'étonne, c'est que ça dérange tant de monde que ça. Ah non, ça c'est autre chose. C'est une partie de poker que j'organise pour 6 heures. Et comme il fallait bien que j'essaie votre appareil, j'ai fait d'une pierre deux coups. Bon, maintenant, faudrait voir à me signer ma petite feuille. Je vais le faire dans l'entrée. Non, madame. Enfin, jeune homme. Ah, alors, ne vous trompez pas, pour le nouvel appareil, c'est l'écrit 1215. Et l'ancien numéro... 91-10, j'ai compris, c'est pas la peine de me répéter. Parfaitement, alors, madame. On a sonné à la cuisine, c'est peut-être ta bonne... Je l'espère. Venez. Mais venez donc, n'ayez pas peur. Voilà quelqu'un que je vous amène. Merci, Anésime. Entrez, entrez. Eh bien, venez. Venez. Votre mère vous a dit que je voulais vous voir. Vous êtes libre en ce moment. Avez-vous des certificats? Je vois que vous êtes travailleuse et honnête, mais nous savons ce que valent les certificats. Vous vous appelez Célestine? Bien, c'était le nom de ma mère. Je vous appellerai Henriette. Mais c'est le nom de la mienne. Ça, je m'en fous. Vous gagnez 10 000 francs par mois? Oh, ben c'est beaucoup. Enfin, si vous faites mon affaire, je vous garde, sinon la porte, compris. Ah! Qu'est-ce qui a fait ça? Mais c'est moi. La prochaine fois, il faudra me le faire à l'octave. Quand vous m'adresserez la parole, en dehors des repas, c'est-à-dire pendant le service, je vous prierai de répondre à la troisième personne et de m'appeler Madame Irma. Bon, alors, exemple, est-ce que Madame Irma veut que je balaye la chambre? Et quand vous entendrez sonner quatre fois, ça sera pour vous. Pour moi, c'est deux coups. Pour Victor, c'est un seul. Trois, c'est pour Onésime. Et pour vous, quatre coups. Ben, pour l'octave. Pour l'instant, on est donc voir la cuisine si j'y suis. Je peux pas y être. Ah! C'est encore plus amusant que ce que je pensais. Elle fait de la gymnastique. Non. Alors elle est devenue folle? C'est monsieur le baron qui l'autorise à prendre une bonne. Eh ben ça ne sera plus nous qu'elle emmerdera maintenant, c'est merveilleux. Quant à vous deux, interdiction de lui donner un ordre, compris? Oh, en voilà des façons, qui est-ce qui se permet de sonner comme ça? Le fait est que c'est bizarre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah, la sonnée quatre coups. C'est à la porte d'entrée. Ah ça, mais qu'est-ce qui se passe ici? Voilà chambre, prenez de l'aspirine, tu devais gagner l'aspirine et le pyramidon. Devant au pot des docks, va cacher dans le foie dans l'octalidon. Et dans l'octalidon? S'il vous plaît. Allons donc. Un litre de fure à 20, devant le moine crève belle peau, énormément de citrophile et de la poudre de bidon. Prenez-le par le cul. Par le cul. Allez donc. Il veut dire quelque chose. Ah bon? C'est à moi, ce pied? Mais oui. Oh, ben j'espère. Oh,
Quel ravissant visage! Mais c'est un rêve! C'est la comtesse qu'on a transformée, que vous avez dit. Où elle est, la vraie? Elle est là, la comtesse, oui. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh bien, un accident, figurez-vous. De quoi? C'est de voiture. Mais j'étais sortie à pied. Eh bien, c'est venu comment? Attends, le cul. Non, mais elle nous prend pour ses domestiques, celle-là. On va aller, je vais essayer de parler aux gens. Henriette, allez tout de suite chez le pharmacien et rapportez-moi tout ça. Qu'est-ce que vous cherchez? Mais comment vous dire oui à la troisième personne? Voulez-vous filer, espèce d'andouille? Attends, mademoiselle, vous allez nous laisser le soigner. Non! Elle va nous prendre. Onésime, on sonne à la cuisine. Ah, moi, s'il vous plaît. Je vous en prie, commande pas la prière, ne nous laissez seuls, vous et moi. Bon, alors on vient de sonner, n'est-ce pas? C'était la cuisine, comtesse. Bien, oui, justement, voyons, si par hasard. Est-ce que c'est votre femme? Ma femme? Oui. Pardon, la dame, là? Oh, non! Oh, bon, écoutez, jamais encore je n'avais eu d'accident avant celui-ci, vous savez. Oh, non, on a beau aimer les choses anciennes. Les cigares! Il parle trop! Ah, non, ça, il ne faut pas! Qu'est-ce que vous faisiez derrière, vous? Oh, bah, rien du tout, je prenais mes cigarettes dans mon sac, alors. Vous en voulez? Oh, des Égyptiennes, que leur frère! Qu'est-ce que tu penses de cette infirmière? Je m'en méfie comme de la peste, et je la suis. Bon, alors, on va dire enfin ce qui m'est arrivé. On va vous le dire tout de suite. Ah, je vous écoute. Eh bien, voilà ce qui se passe! Non, ça va bien, je vous remercie, j'ai pas besoin de vous, c'est mademoiselle qui va me raconter. Mais je n'y ai pas assisté! Ah, quel dommage, il faut toujours que vous assistiez à mes accidents. Comptez sur moi pour le prochain. Oh, merci. Bon, là, vous écoutez, ouais. Alors voilà, nous allons tous les deux causant le long des quais. Alors là, je vous arrête tout de suite, c'est pas tout à fait vrai, c'est elle qui causait, vous pensez bien. Moi, je m'amusais seulement à fouiner dans les boîtes des bouquinis, j'adore ça. Ah, c'est vrai, ma foi, oui, il adore ça. Écoutez, vous avez aperçu de l'autre côté de la chaussée, à la vitrine d'un antiquaire. Ah, une rose de redoutée, ça je me souviens, je ne me serais jamais douté qu'une rose de redoutée peut être à ce point redoutable. Qu'est-ce que c'est qu'elle fait des grâces? Aïe, je la revois, cette rose, les plus rares, vous savez, qui se détachent sur un fond noir. Mais c'est tout à fait ça. Alors vous, vous êtes élancé, n'est-ce pas? Oui, pour cueillir cette rose dans l'intention de vous l'offrir, mademoiselle, sans cependant vous connaître encore. Il m'a bien mal vous en a pris, hein. Parce que... Oh, ben une voiture française. Ah, le fiacre. Eh oui, ah, mon Dieu, mais quelle horreur. Mais oui, tout me revient, merci, merci. Figurez-vous, mademoiselle. Oh, je sais pas ce qui s'est passé. À ce moment-là, j'ai buté, j'ai glissé, alors le fiacre avec le cheval, tout ça m'a passé sur le corps. Ah, mon ami, alors là, vous voyez grand, hein. Parce que... Il vous a même pas touché. Oh, pourquoi dites-vous que le cheval ne m'a même pas touché? Mais parce que c'est la vérité. C'est bien ce que madame la comtesse pensait. Ah, bah vous voyez, alors donnez-lui quelque chose à boire. Allez, je sais pas, du vin. Du bon. Oh, du bon, bien sûr. Mais vous l'attendez, on ne sait jamais. Garde-les. Ce pied ne s'est pas tout seul en mailloté, hein. Mais non, ça c'est mon œuvre à moi. Oh, c'est vous qui m'avez fait cette énorme poupée. Mais oui. Avec ses jolies mains. Merci. Et la comtesse, elle s'est fait derrière? Elle cause avec votre chef. Ah, oh, ça, il faut l'en empêcher, elle va lui faire faire un beau rossigne. Allez, venez ici, venez ici. Oh, bah, vous voilà, mon ami. Je ne suis pas dupe de ce que vous faites en ce moment. Ah bon, et qu'est-ce que je fais? Vous cherchez à me dissimuler la vérité, parce qu'il y a certainement une vérité qu'on me cache, et vous devez la savoir. Hein? Pourquoi dites-vous que ce cheval ne m'a pas touché? Bon, si vous avez touché, mademoiselle, vous le direz, voyons. Pourquoi? Puisque c'est elle qui vous a fait ce pansement. Alors, quel rapport? Eh bien, elle l'a vu, votre pied. Mais il ne s'agit pas de mon pied. Et il s'agit de quoi, alors? De l'accident. Qui s'est produit? Oh, mais je me rends fou, laissez-moi parler, qui ne s'est pas produit, vous le dites vous-même, puisque le cheval ne m'a pas touché. D'ailleurs, vous savez, dans mon souvenir, je ne vois pas qu'un seul cheval, j'en vois deux. Ah! Alors là, je vous promets pourtant qu'il y en avait qu'un. Oui, mais vous êtes tellement menteuse. Ah, je suis menteuse, moi. Écoutez, je vous jure écoutez, sur ma alors, c'est moi qui vois double parce que je revois leurs deux têtes. Vous me dites ce que vous voulez. Si vous ne me dites pas, c'est comment il se fait que ce vieux canasson, pour moi seul bicéphale, m'est épargné ainsi. Parce que je revois ses deux jambes dressées. Vous allez me dire qu'il n'avait qu'une jambe aussi, peut-être. Alors, je les revois dressées comme ça au-dessus de ma tête. Alors pourquoi sont-elles par tomber? Est-ce que c'était Pégase? Et s'est-il envolé? Car encore une fois, pourquoi ce cheval s'est-il privé du plaisir de me casser la patte ou de me décapiter? Pourquoi? 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 Oui. Parce que de l'autre côté de la chaussée, se trouvait un homme qui a pris négligemment ce cheval par la bride et l'a détourné de sa route. Ah ! Et ben voilà pourquoi. Et vous ne le disiez pas ? Ah ! Alors parfois j'y pensais plus. Oh ! Mais qu'est-ce que c'était cet homme ? Oh, un homme bien ordinaire, vous savez. Ah. Oh, oui. Écoutez, vous avez entendu comme moi, vous êtes témoin. Alors recommençons du commencement. Il y avait du monde à cette heure-là sur les quais. Ah oui, il y avait pas mal de monde. Bon, une cinquantaine de personnes ont assisté à l'accident. 50. Bon, disons 25 hommes, 25 femmes. Oui, là, hein, d'un côté bon. D'autre. Oui, enfin, vous dire que je ne sais pas compter. Eh bien, vous auriez dû les compter. Ça, j'ai été intelligent. Parce que sur 25 hommes, il n'y en a qu'un seul qui a fait ce geste. Alors, vous savez, je le trouve très extraordinaire, moi, votre homme ordinaire. J'espère au moins qu'on lui a demandé son nom et son adresse. Quoi? Oh, bah écoutez, parfois, je l'ignore. Oui, ben, ne vous inventez pas. J'ai mal, vous savez. Ouais. Ben, vous l'ignorez. Oui, mais je sais qu'il est là. Où il est là? Il est là, à la cuisine.
Oh non, mais écoutez, l'homme qui a risqué sa vie pour moi, où le mettons? À la cuisine. Pourquoi l'a-t-on laissé monter par l'escalier de service? Parce que monsieur le baron nous avait recommandé de dire au concierge à propos du clochard. Oh non, écoutez, je vous en supplie, Victor, vous êtes de bon sens, ne vous en mêlez pas. Vous n'allez pas comparer à ce clochard, l'homme qui m'a sauvé la vie. Faites entrer ce monsieur immédiatement avec mes excuses. Écoutez-moi, j'ai prié votre chef de lui donner à boire. Enfin, en attendant. Ah bah oui, mais elle croit avoir tout fait, vous savez. Tu vas sauver la vie d'un homme, on va te donner un verre de vin, voilà, le pourboire. Oh, quelle époque! Non, mais encore une fois, il ne vous a pas sauvé la vie! Prouvez-le-moi! Enfin, mademoiselle, on peut mourir d'un accident de voiture. Ça, ce n'est pas douteux. Oh, et je la vis sauve. Indubitablement. Eh ben alors, il me l'a sauvé, je ne vois que ça, et puis ça me paraît bon, le vide. Bon, tenez! Quoi, quoi? Me voilà, votre homme! Ah, je vais enfin entendre des choses sensées. Silence! Il n'est pas là, il n'est pas entré. Mais mettons-le. Ah bon, bah qu'il vienne. Pardon, pardon, je ne peux pas aller à votre rencontre. Venez, ami. Venez, cher. Venez jusqu'à moi. Ah. Mon sauveur. Oh. Mon qui est Dieu. Ah, regardez, je savais bien qu'il y avait deux chevaux. Mon sauveur, mon ami, mon enfant. Oh, son enfant! Son enfant! Allez, asseyez-vous là, Benoît. Là? Oui, là. Oh non, c'est trop beau. Mais vous plaisantez, mais rien n'est trop beau pour l'homme qui m'a sauvé la vie. Allez, asseyez-vous immédiatement. Et que tout le monde s'assied autour de lui, n'est-ce pas? Qu'il se sente entouré. Voilà. Protégé, certissons-le bien tous. Et vous ne m'abandonnez pas parce que je crois que je vais avoir une faiblesse. J'en ai bien peur, c'est pour vous. Comment se retrouve? Comment? Mais vous êtes mal comme ça. Allez, installez-vous, mettez-vous à votre place. Oui. Ah. Bon, bah dites donc, c'est le jour, alors vous êtes fait mal. Non, ça a glissé. Bah oui, ça a glissé. C'est Irma qui est en caustique. Alors on est bien comme ça? Eh, je suis calé. Voilà. Alors maintenant, je vous en supplie, vite. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Oh, par exemple, comment vous avez dit? Ça doit se voir tout de suite, il me semble. Que je suis. Pas grand-chose. Où je vais? J'en sais rien. D'où je viens? Oui. Je suis né à Olaine-Bonnétable. Dans la Sarthe. Ah, je connais pas. Et encore, c'est pour sûr. Je m'appelle Fortuné Richard. Est bien exagéré. Je le pense. Quant à mon nom de famille, il en sera pas question, car mes parents m'ont pas reconnu. Il semble pourtant qu'avec la tête que j'ai, ça leur aurait été facile. Que voulez-vous? Il y a des gens qui sont pas physionomistes. C'est ce qu'il faut se dire. Élevé à grands coups de pied dans le cul, passez-moi le mot, mesdames, par un vieux cordonnier qui devait probablement essayer sur moi la résistance de ces ressommes-là. J'ai pris la porte un soir et je m'en suis allé. À dater de ce jour, j'ai dormi n'importe où. J'ai mangé quand j'ai pu. Et j'ai grandi quand même. Ai-je une profession? Non. Non. Non, la vérité, non, parce que j'ai fait tous les métiers sans en apprendre aucun. Voilà. J'en changeais trop souvent pour ça. Bien sûr. Chiffonnier, forgeron, colporteur, acrobate. Oh. Il s'en est fallu de ça, que je sois vétérinaire. C'est vrai. Un jour, à Bourganeuf. Oh, la Creuse. Non, mais dites donc, c'est votre genre. Un autre jour, devenu danseur mondain dans une boîte de nuit des environs de Gap, j'ai fait cocu le percepteur des contributions indirectes. Ah, c'est bien fait. Et ça m'a rendu tellement populaire qu'au bout de 15 jours, j'étais foutu dehors. L'ingratitude, ça. Ayant pris la route, allant de ville en ville, j'ai chanté dans les cours et glané dans les champs. Oh, c'est ravissant. C'est un poète, vous savez. Réparant des sonnettes à Castelnaudary. À Alexandre. Nettoyant des carreaux qui en avaient besoin dans la Seine inférieure et dans le Morbihan. Garde-chasse dans l'Oise. Braconnier dans l'Aisne. J'ai même été... Pardon? Non, j'en finirai plus si je devais tout vous dire. Bah écoutez, on est là pour ça, on a le temps, hein. Enfin, il y a 15 jours, je débarque à Paris et je deviens balayeur au service de l'État. Mais savez-vous ce qu'on me donne à balayer tout de suite? Non. La chambre des députés. Ah là là, ils m'ont vu. Il y avait trop de travail. Madame, il aurait fallu balayer tout le monde. Ah, c'est drôle. C'est drôle. Donc, comme vous le voyez, j'ai fait n'importe quoi. Mais il y a un geste, cependant, que personne ne m'a vu faire. J'ai jamais tendu la main.
On a beau être un pauvre bougre, on a sa petite fierté quand même. Ah, c'est émouvant. Et c'est pour ça que depuis quelques jours, je vais de porte en porte, cherchant du travail, sans accepter d'aumône. Parce que moi, vous savez, on peut m'offrir 1 000 francs. 5 000 francs. 10 000 francs. C'était lui. C'était vous. C'était moi. Oh, mademoiselle, il avait sonné tantôt chez moi et j'ai pas voulu le recevoir. Mais vous ne pouviez pas savoir qu'une demi-heure plus tard... Ah, mais... Ah, elle a raison, la dame, vous pouviez pas savoir. Mais si, mais j'aurais dû deviner. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ah, ça vous amuse, ça. Ah, ma chose, ah, on est petit. Ah, charmant. Oh, quel gentil camarade. Comme il est resté gai, mon Dieu. Mais quel mérite il a quand on pense à cette vie qu'il a menée comme ça pendant toute sa vie, allant de ville en ville, sonnant. Comme il le dit si joliment lui-même, de porte en porte. Ah, quelle impression vous devez avoir de l'âme humaine, vous. Oh, si. Vous auriez le droit de vous montrer sévère. Dites donc, qu'est-ce que vous pensez des hommes? Les hommes? Vous avouerez franchement que je préfère les femmes. Ah oui, ah non, oui, je ne comprenais pas parce que c'est pas du tout ce que je voulais savoir. Non, plus tard les confidences. Non, je voulais parler, moi, du genre humain, enfin, ce qu'on appelle les hommes. Ah, les hommes. Oui, les hommes, oui. Ah, oui, les hommes, oui, mais oui, oh, oui. Mon Dieu, en général, je les crois plus bêtes que méchants. Ah, oh, quelle indulgence, mais quelle philosophie. Et de moi? Oui, de moi spécialement, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez. De vous? Oui. Ah non, j'ose pas. Si, osez. Non, c'est pas facile. Ah non, c'est pas facile, je sais, mais je vous le demande. Eh ben vous, je peux vous répondre. Ah, mais je vous attends. Eh ben vous, je vous crois plus méchant que bête. Quand je suis parti de chez vous, je ne suis pas allé loin, sur le trottoir d'en face. Et je vous ai attendu parce que je savais que vous sortiez. Et vous êtes sorti avec la dame qui est là, encore tout furieux d'avoir eu ma visite. Ouais, je voulais voir de près l'homme qui peut donner jusqu'à 10 000 francs pour qu'on laisse tranquillement sortir de chez lui. Eh ben voilà. Alors je vous ai suivi. Non, ou pour mieux dire, accompagné, en me tenant toujours sur le trottoir d'en face. Ça m'amusait de pouvoir faire des moulinets avec votre canne à cause de moi. Hein. Cette canne que vous auriez tout même cassée sur les rats. Oh non. Oh non. Oh non. Ah, excusez-moi. Je vous en prie. Vous ne vous parliez pas, elle et vous. Voilà. Pas un mot. J'en avais conclu que c'était votre femme. Oh, j'aime cet humour. À un moment donné, je vous ai vu vous arrêter et faire comme ça avec votre bras. Comme j'étais juste en face de vous, j'ai même pris un instant que vous montriez du doigt. Ah non, c'était une rose que je montrais. C'est un peu de rapport, évidemment. Oui. Et tout à coup, vous allez vous traverser, sans regarder ni à droite ni à gauche, comme un fou, ça passe moi le mot. Alors un fiacre venait. Sur ma droite. Oui, sur votre droite. Bon, je dirais pas au grand galop, mais vite quand même. N'est-ce pas? Vous glissez. Vous tombez. Voilà. Le cheval n'était plus qu'à 2 mètres de vous. Ah, il n'y avait pas le temps de faire une partie de boule. Alors, hop, je m'élance. Et voilà-t-il pas que ce couillon, je parle du cheval, bien entendu, mais là. Voilà-t-il pas qu'il se cabre. Et c'est ce qui m'a permis de le faire virer justement sur sa droite. Si bien que la voiture ne vous a pas touché. Eh ben, mais alors, vous m'avez réellement sauvé la vie. Non. Oh. Au contraire. Ah, je vous supplie. Ah, ne plaisantez jamais avec ça. Ah, je le disais tout à l'heure, mais je ne le pensais pas. Enfin, je ne le pensais pas ainsi, mais j'en étais pas sûr. Parce que maintenant, vous m'en apportez la preuve. Ah, mon ami, oh, pour l'enthousiasme, mon Dieu. Oh, que c'est... Aidez-moi, mais, je serais mieux debout, peut-être. Ou pas ce pied-là. Attendez. Oui, oui. Ah, voilà. Oh, écoutez. Je ne sais pas si je suis plus méchant que... Mais laisse en riant, faut pas le prendre mal. Oh, cher, si vous saviez... Comme je le prends bien. Mais il y a une chose certaine, c'est que vous n'aurez jamais affaire à un ingrat. Mais vous devenez menaçant. Ah, écoutez, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais figurez-vous qu'il y a quelques minutes à peine au téléphone, je disais à la comtesse... Ah, c'est une comtesse? Ah oui, c'est oui, une comtesse. Que si jamais un jour le destin me mettait devant les yeux un homme ou une femme digne de compassion, d'amour ou d'intérêt, ce sont mes propres termes, je lui tendrai les bras. Vous vous souvenez au moins de Salisbury? Oui, je me souviens très bien. Eh bien, voilà la preuve que je ne mentais pas. Je lui tends mes bras. Il a fait plus pour moi que n'ont fait mes parents. Ah, eux m'ont donné la vie, n'est-ce pas, mais sans courir aucun risque. Tandis que lui qui ne m'était rien, il me l'a prolongé au péril de la sienne, si bien que chaque minute que je vais vivre désormais, c'est à lui que je vais la devoir, car sinon plus... Il a fait mieux, vous m'avez pas seulement sauvé la vie. Non? Ah non, mon Dieu, vous aurez si peu de choses, que sommes-nous? C'est la vie, à mes yeux,
que vous avez sauvé. Il me met tout sur le dos. Moi qui n'avais plus qu'une idée, voir le moins souvent possible mes contemporains, j'étais écœuré, vous vous en doutez bien. Voilà que tout d'un coup, par miracle, grâce à vous, j'ai l'impression que je vais pouvoir les regarder d'un œil tout différent, plus attentif, plus attendri peut-être aussi. Plus calme. Oh, ton idée, mon enfant, tu me réconcilies avec le genre humain. C'est pas possible. Je te le dis. Alors? Alors? Ah, tes parents t'ont pas reconnu? Non. Non? Bah moi, je te reconnais. Oh, papa. Dans mes bras. Leur goûter l'infirmière, maintenant c'est ce clochard qui me fait peur. Pourvu qu'il ne soit pas de connivence tous les deux. Mon Dieu. Non, oh, c'est ton jamais. Vous avez surpris tout à l'heure à rien. Entre les nuits. Mais naturellement. Aïe. Oh, alors regardez là, refaites-moi le cheval. Allez. Oh, c'est... oh, il fait le sapot, regardez. Monsieur, vous vous agitez trop. Oh, vous avez, j'ai tellement de tort à réparer, je ne sais pas par où commencer. Oh, la comtesse, tiens, puisque oui, mon ami me voit. Je vous ai un peu malmené tout à l'heure. Ah, c'est à peu près ça. Je m'en excuse. Oh, j'en suis pas encore à vous offrir. Ah, oh, mais que déjà l'idée vous en vienne, alors merci. Ah, eh bien, nous en reparlerons à bonne heure dernière. Si la comtesse vous abandonne, c'est fini. Il faudrait vous calmer, monsieur. Ah, vous êtes un amour. Je vous réserve une surprise. Dites donc, il m'a venu ici que je vous parle une seconde dans l'oreille. Venez vite. N'est-ce pas, merci. Ah, vous, monsieur Onésime, venez vite, une petite seconde. Juste une petite seconde. Merci. Mais le plus merveilleux repas qu'on ait jamais vu. Arnaud ou Rossini? Oh, les deux. Les deux. C'est à toi. Tu vas suivre ma femme de chambre et mon maître d'hôtel qui vont te conduire à ta chambre. À ma chambre? À ta chambre. Tu es ici, chez toi. Elle est au fond du corridor, à quelques mètres de la mienne. Et s'il te plaît, ah, s'il te plaît, laisse-toi faire. Je me laisse faire, qu'est-ce qu'on va me faire? Oh. On va te faire beau. On va plus me reconnaître. Oh, le charme. Oh, oh la silhouette, regarde. Oh. Oh, quel délicieux café. C'est le poète, c'est pas le funambule. Bon, passons à d'autres choses. Tout aussi, qu'est-ce que j'entends là? Oh, c'est encore là. Bien sûr. Oh, l'immuable comtesse. Oui. Bon, alors écoutez, vous allez me faire un grand plaisir. Et la volontiers, pardon. Ah oui, vous allez revenir. Oui. Hein, à 8h, très exactement. Et vous me ferez l'amitié de dîner avec moi. Oh, alors là, là, vous me faites vraiment plaisir. Oui, il ne faut jamais remercier les égoïstes. Ils n'en font qu'à leur tête. Oh, si, si, voyons, merci. Merci beaucoup. Oui, au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame. C'est ça, allez, au revoir, au revoir. Bon, alors qu'est-ce qu'elle fait là? Ah non, non. Elle ne prend que des choses à elle. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui vous fait sourire? Votre façon de l'éloigner, ouais. Dont elle ne s'est pas rendue compte. Mmh. Elle était là et vous lui dites revenez pour qu'elle s'en aille. Oui, ben elle doit être en train de le réaliser en ce moment. Avec la petite minute de retard qui la caractérise. Enfin, non, pardon. Hein? Ne pensons qu'à nous deux. Ah non, vous n'allez pas m'abandonner, vous aussi. J'attendrai pour partir que soit revenu. Il n'est plus question de partir, je veux vous garder, moi. Ah oui, je veux garder ma garde malade. Vous restez auprès de moi, tant que je serai malade. Mais vous n'êtes pas malade. Oh, bah alors vous restez auprès de moi tant que je serai bien. Pourtant, moi aussi, je suis malade. Non. Bah écoutez, cette poupée, elle cache bien quelque chose. Si je ne suis pas blessé, hein, grièvement blessé, du moins suis-je meurtri. Dites-vous. Alors qu'est-ce que c'est ça, je comprends pas. Eh bien, disons foulure. Pour être exact encore, disons entorse. Ah, vous voyez tout de même, quelle différence entre une entorse et une foulure? Aucune. 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 L'entorse. Oh, oui, racontez-moi tout sur les entorses. Est due à la distension des ligaments. Elle provoque le gonflement par épanchement séreux dans les synoviales articulaires. Ah, c'est ça. Oui, et les jupes taillées en billets se porteront plus courtes cette année que la saison dernière. Oui. Oui. Vous pouvez me jurer que ce n'est pas une fracture, ça. Ce que je peux vous jurer, c'est que nous le saurons demain. Mmh. À l'autopsie. Oh. Oh non. Non, c'est la radio qui le dira. Oh, ils vont en parler à la radio de ça. Comment êtes-vous sans votre voix? Toute petite, avec un grand nez. Ah, ça devrait être joli quand même. Et la radio? Vous l'aurez demain à 11h. Très bien. De quel pays est-elle, mon infirmière? De Yougoslavie. Et où l'a-t-on faite? À Zagreb. Non, la radio, je pensais. Oui, oui. Ah. À la clinique de la rue de Seine. Comment à la clinique? J'ai été transporté en clinique? Oui. Mais vous me l'aviez caché, ça? Je ne voulais pas dire. Mais vous deviez me le dire. Il fallait me le demander. En clinique? Oui, en sortant de chez le pharmacien, en ambulance.
En ambulance? Et c'est le docteur Drian lui-même qui a fait la radio. Ah. Vous le connaissez? Non, pas du tout. Et demain avant 10h, elle sera entre les mains du professeur de Pralognan. Gilbert de Pralognan? C'est un chirurgien tout à fait fabuleux, on voit plus dans les magazines. C'est le meilleur praticien que vous ayez en France. Eh, ben, quand je suis soigné, mon Dieu, moi, pour une entorse. Allons, bon, vous voilà de nouveau inquiet, parce que vous êtes bien soigné. Non, je ne suis pas inquiet, mais j'aimerais bien vous faire une question, quand même. Si j'étais à la mort, est-ce que vous me le diriez? On ne dit pas ces choses-là. Je voulais vous faire dire. Donc, si j'étais à la mort, vous ne me le diriez pas? Non, certainement pas. Eh ben, vous ne me le dites pas. Non, je ne vous le dis pas. Bon, ben, alors, je suis à la mort. Ah, oh, ben, écoutez, c'est pas logique. Alors moi, si je suis à la mort, je veux une infirmière pour me fermer les yeux. Moi qui aimerais tant les lui ouvrir. Qu'est-ce que vous venez de dire? Rien. Oh, mais comment fait-elle des choses pareilles? Ça nous arrange bien tous les deux, que je sois un peu dur d'oreille de temps en temps. Vous n'êtes pas dur d'oreille. Oh, quand vous écoutez, vous entendez très bien. Eh bien, écoutez-moi et entendez-moi bien. Je ne veux pas que vous partiez, non, c'est fini. Je vais vous garder près de moi pendant un an, pendant deux ans, pendant... 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20, je ne présente pas ce qu'on a osé. Je le vois bien. Naturellement, vos conditions seront les miennes. 30, 40, 50. 50 quoi? 1000 francs. Pour vous, pas moi. C'est pas assez? 60 000, 80 000, 100 000? L'infirmière est aux enchères. Ah oui, oh bah, j'aimerais tendre à te juger. Vous savez, il y a des fragonards qui ne vous valent pas, vous. Vous n'aimeriez pas que dans 6 mois, ce saphir fût vrai? Oh, vous me faites assez de mégotage. Vous êtes une infirmière, vous me devez vos soins. Je suis une infirmière bénévole. Ah, elle va me gâter ma mort. Je sens la gangrène. Le pharmacien a dit qu'il enverra le reste ce soir. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Et qu'est-ce que c'est que cette pyramide? Pyramide de pyramidon, c'est une partie des médicaments que j'ai commandé. Ah, une partie seulement. Dites donc, quoi, vous, la bonne de ma femme de chambre? Mais oui, monsieur le baron. Ah, oui. Vous êtes combien maintenant à la cuisine? On est quatre. Oui, quatre. Quatre? Très bien. Alors, partagez-vous tout ça. Ouais. Ils vont se régaler, vous savez. Non, mais dites donc, ça de médicaments et je ne suis pas malade? Oh! Vous savez, si vous m'abandonnez aujourd'hui, alors moi, demain, j'épouse la comtesse. Et je suis sérieux, soit par moi. Mais je le vois bien, c'est terrifiant. Ah oui, oh, ça, c'est terrifiant. Et vous? Quoi, moi? Ça vous amuserait pas, vous, que je vous épouse? Ah oui, ah bah oui. Je lui fais cadeau des battements de mon cœur, et elle en fait le compte. Ah, décidément, vous êtes sans pitié. Vous n'êtes pas pitoyable. Je ne sais pas si je ne suis pas pitoyable. Il y a une chose certaine, c'est que je ne veux pas rester seul ce soir. Mais n'oubliez pas que vous avez déjà votre face, le clochard. Oh non, l'appelez pas comme ça. Mais c'est un clochard. Oh non, c'est pas un clochard. En plus, je n'oublie pas, vous savez. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais plus, je suis tellement bouleversé. C'est si nouveau pour moi, vous comprenez, c'est des vies qui recommencent. Je voudrais une femme de mon âge, je voudrais une maîtresse du vôtre, je voudrais... Un ami de pension. Quelques petits-neveux, ouais. Une cousine de province. Ma foi. Un vieil oncle pété. Pourquoi pas? Car tout cela doit vous faire terriblement défaut depuis 25 minutes. Terriblement. En somme, vous voudriez vous constituer une famille avant le dîner? Oui, ben ne riez pas. Il n'y a pas de quoi rire. Ah non? Non. Parce que je m'étais convaincu qu'on pouvait passer toute sa vie sans cela. Mais vous aviez compté. Oui. Sans la maladie. Sans doute n'avez-vous pas été souvent malade? Jamais. Alors je comprends tout. Ah, tout de même. Ce sont des minutes où le cœur s'attendrit. Ouais. On redoute la solitude. Voilà. On éprouve le besoin de se sentir entouré. Oh, ben entourez-moi. Choyez. Choyez gentil. On pense aux malheureux, aux pauvres, aux orphelins. Oui, elle se fout de moi, celle-là. On est honteux d'avoir été toute la vie un égoïste. J'allais le dire, j'aurais parié, j'aurais gagné. Un égoïste encore. Et de fil en aiguille, on refait son testament, même au profit de n'importe qui, n'est-ce pas, c'est curieux. Pourquoi n'aimez-vous pas mon fils? Mais parce qu'il ne vous ressemble pas assez. On va se brouiller tous les deux. Déjà? Je crois, oui. Vous êtes méchant? Oui, comme vous, plus méchante que bête. Moi, il a dit ça en plaisantant. J'en suis pas sûre. Moi, je plaisante. Et franchement, à l'heure actuelle, je vous crois plus bête que méchant. Ah. On a sonné. Ah oui, puis j'ai entendu, c'est la comtesse. Oh, vous sortez. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est? C'est le commissaire de police qui voudrait voir monsieur le baron. Comment? Le commissaire de police, mon Dieu, mais pourquoi faire? Sans doute pour le constat de l'accident. Oh, bon, bien sûr. Qui là? Oh, bon, je sais pas pourquoi je crie comme ça, il est pas sourd, Victor.
Vous voulez pas rester avec moi ce soir? Non. Non, vous voulez pas rester avec moi ce soir? Oh, qu'est-ce que vous regardez? Oh, qu'est-ce qui est entré derrière moi, mon Dieu? Le commissaire. Mais il est comment, le commissaire? Il a l'air bien élevé. Ah, c'est peut-être pas un vrai, alors. Monsieur le baron de Saint-Rambert. Mais vous ne me dérangez pas du tout, monsieur. Je suis très dur d'oreille. Moi aussi. Oh, bah dis donc, ça tombe bien, alors. Moi qui déteste les sourds, je peux pas les voir. Je n'entends bien qu'au téléphone. Ah, mais tout comme moi, alors. Bon, écoutez, puisque l'appareil tant désiré est enfin arrivé, vous allez vous asseoir devant le téléphone qui est là, puis vous allez m'appeler sur celui-ci, vous voyez. Parce que si on continue à crier comme ça, alors on va se casser la voix. Voilà, ici, c'est Littré 91-10. Montmartre 24-13. Il y a un net progrès. Oh, c'est la première fois que j'entends bien parler. Aidez-le, sauvez-nous, parce que c'est surréaliste, ça va durer des semaines. Oh, merci, mademoiselle, merci. Le monde est un asile. Comme vous me soignez. Voilà. Merci. Ça sonne. Ça sonne. Il n'y a personne. Ça sonne. Oui, j'avais tout compris. Je faisais durer, je faisais ça pour le plaisir. Bon, moi, je vais répondre. Ah, allô. Ah, monsieur le baron de Saint-Rambert. Oui, c'est bien ici. Oh, mais c'est très commode. Oh, t'amuses dans ce jeu-là. Oh, à qui ai-je l'honneur de parler? Le commissaire de police de votre arrondissement. Eh bien, je suis doublement enchanté de vous entendre, monsieur le commissaire. Avez-vous connaissance d'un homme fortuné, Richard? Ah oui, ça j'en ai connaissance. D'après nos renseignements, il se serait présenté chez vous vers 15h30. Effectivement. Revêtu de haillons, coiffé d'une casquette et chaussé d'espadrilles. Hélas, c'était bien son costume. Le reconnaîtriez-vous sur sa photographie? Sans aucun doute. Je vous l'apporte immédiatement. Voilà. Prenez un taxi au besoin. Oh, il est déjà là. Il n'y avait pas de circulation. Oh, regardez, c'est bien lui. Le reconnaissez-vous? Mais comme si je l'avais fait. Ah, voilà qui valait mieux. Bon, je vous fais reporter ce document. Vous êtes gentil, mademoiselle. Par quelqu'un qui va justement dans votre direction. Merci, mademoiselle, merci. Et maintenant, seriez-vous par bonheur où il se trouve à l'heure actuelle? C'est bien quand même de la part de la police de rechercher avec autant de zèle. Allô? Un homme qui a commis un acte de courage. Allô? C'est rare, vous savez. Comment je n'entends pas votre réponse? Ah, bah non, je ne vous l'ai pas donné encore. Ah, c'est donc ça. Alors. Nous le recherchons depuis 8 jours. Comment depuis 8 jours? Oui, nous le cherchons depuis 8 jours, ce phénomène. Et comment ça depuis 8 jours? Sans pouvoir mettre la main dessus. Alors si vous pouviez nous indiquer, même approximativement, où nous pourrions le rencontrer, cela nous rendrait un grand service. Et c'est la raison pour laquelle, monsieur le baron, je me suis permis de vous déranger aujourd'hui. Vous allez prendre la situation dans laquelle je me trouve. Oh, je m'en excuse d'ailleurs. Je dis qu'il est là, n'est-ce pas? Je le dénonce. Allô? Je dénonce l'homme qui m'a sauvé la vie. Je n'entends mais pas. Une seconde, monsieur. Mais c'est l'homme qui parle qu'il est là. Comment? Une seconde. Je ne joue plus. Qu'est-ce que je deviens? Moi, je deviens complice, n'est-ce pas, du crime qu'il a commis. Oh, non, j'entends rien du tout. Allô? Vous n'avez pas peur des grands mots, j'espère. Cette allô? Situation, pour moi, elle est cornélienne. Monsieur le secrétaire de monsieur le baron. Alors, pourvu qu'il fasse pas de gaffe. Oui, ça me fait mourir de rire, ça aussi. Mais attention, derrière vous. Pardon. Une surprise, je pense. Monsieur Le Blondinet, commissaire de police. Paul-Émile Richard, le frère de Fortuné. Pardon. Dites donc, c'est contagieux. Paul-Émile Richard, le frère de Fortuné. Votre frère? Mais où est votre frère? Au paradis. Rue de paradis? Non, au paradis là-haut. Décédé. Décédé? À 6 heures. Apportez-moi les vêtements que j'ai invités. Mais décédé comment? Il s'est jeté à l'eau. À l'eau? À l'eau? Non, à l'eau, plouf. Je le guettais depuis ce matin. Je craignais un malheur. Il s'était présenté ici vers 15h30. Et j'ai retrouvé ses vêtements. Ses pauvres vêtements sur la berge du fleuve il y a 10 minutes. Alors qu'on n'en parle plus jamais de Fortuné. Il est mort. Il est mort. Et le bon Dieu le jugera, si bon lui semble. Adieu, monsieur le commissaire. Si vous avez une communication à me faire, téléphonez-moi à l'hôtel Ritz le matin après 11h. Victor, raccompagnez ce magistrat. Vous parlez en ce moment? Non. Tant mieux, parce que j'écoute moi aussi, j'ai un petit problème. Au revoir, monsieur le baron. Oui, allez, au revoir. Au revoir. Oui, ben au revoir, Victor, emmenez le sourd. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Car on a beau avoir la conscience tranquille, il vaut mieux ne pas trop fréquenter ces gens-là. N'est-ce pas? Pour les dîners, je vous ai fait une surprise. Ah bon? Je vous ai commandé des rillettes, comme on en fait par chez nous. Des rillons, du jambon et du saucisson à l'ail, à s'en faire péter le gilet. Et moi aussi, j'ai une surprise pour vous. J'avais fait dire mon frère que je me suis permis d'inviter à dîner, n'est-ce pas? Oui, et que j'avais ici avec ses deux petits-enfants. Oh, mais des gens! Allez, on se couche! Je sais, je
Quelle heure as-tu? À 11h. Bah, qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Je me demandais où vous étiez. Qu'est-ce que vous faites? On attend qu'il se réveille. Pas à 11h, il dort encore. Oui, c'est bizarre. Pourquoi dis-tu que c'est bizarre? Parce que je trouve que c'est bizarre. Il est peut-être mort. Mais vous êtes fou! Si j'allais voir... Attendons 10 minutes encore, monsieur le baron n'aime pas qu'on le réveille, tu le sais bien. Parce que pour moi, il dort. Espérons-le. Et s'il est mort, 10 minutes de plus ou de moins... Nous n'y changerons rien. Et le zigoto? Mais il dort aussi. Il a donc couché là? Oui, dans la chambre du fond. Oh, eh ben... Oui. Et la comtesse? Elle est remontée chez elle avant minuit. Mais l'infirmière est partie un peu après. Voulez-vous que je vous dise le fond de ma pensée? Non. Dites-le toujours. Pour moi, ces gens-là sont en train de mettre le grappin sur monsieur le baron. Vous avez trouvé ça tout seul? L'infirmière me fait très peur. La comtesse a sûrement une idée de derrière la tête. Et je ne parle pas du clochard, qui est peut-être le moins dangereux des trois, puisqu'enfin c'est un homme. Oui, mais minute, quel homme est-ce? Ah, ça, je n'en sais rien. Ah ben justement, il n'y a qu'une seule personne qui doit le savoir, c'est le commissaire de police qui le recherchait. Ne l'oublions pas. Oui, c'est entendu, mais pour l'instant, ne voyons qu'une chose. Il a sauvé la vie de monsieur le baron. Oui, mais n'empêche qu'étant donné les circonstances, il y a danger. Oui, ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'ils se mettent d'accord. Qui ça? Ben eux, pardi, tous les trois. Le clochard, l'infirmière et madame la comtesse. Parce que s'ils se mettaient d'accord... Ils pourraient faire prendre à monsieur le baron des dispositions qui ne seraient pas bonnes pour nous. Et c'est pas sans raison que je dis ça. Remarquez bien, je n'ai pas vu son testament. Mais il m'en avait touché 2 mots il y a 3 mois. Tu ne m'en avais rien dit. Pour que tu aies la surprise au lendemain de sa mort. Alors, ce testament... Bon, ben, tout ce que je peux me permettre d'en dire, c'est que monsieur le baron ne nous oubliait pas. Moi non plus. Oh, mais non, vous non plus. Ça, il peut y avoir des proportions. Oh, évidemment, ça va de soi. En tout cas, c'était le testament d'un homme qui voyait clair. Tandis que l'homme d'hier soir, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est aveuglé. Et il ne faudrait pas qu'ils en profitent tous les trois pour le lui faire refaire son testament. Et ça... Ça doit être leur idée. En tout cas, c'est l'idée de l'infirmière. Et ce serait un crime, car alors là, les proportions... Ah bah oui, va t'en voir. Alors ce qui fait qu'en somme, je parle pour nous, là, et même pour lui... Même pour lui? Oui, je te vois venir. Il vaudrait mieux que monsieur le baron s'en aille maintenant. Pour aller où? Au cimetière. En somme, vous voulez dire... Il vaudrait mieux qu'il soit parti. Est-ce qu'il faut bien partir un jour? Tous autant que nous sommes. Oui, il vaudrait mieux que ça soit fini. Et qu'au moins, monsieur le baron, que le bon Dieu ait son âme. Et quitter ce bas monde avec, disons le mot... La consolation d'avoir fait son devoir. Vis-à-vis de nous deux. Et même de nous trois. Ben, nous ne souhaitons pas qu'il soit mort, vous nous comprenez bien. Bien entendu, voyons. Mais encore une fois... Ça vaudrait beaucoup mieux. Mais vous savez ce qu'on dit là? Je voudrais qu'il l'entende. Ne parlons pas trop fort, il pourrait nous entendre. Car moi, qu'il est très bien connu de son vivant... Je crois qu'il a sonné. C'est dommage. Va voir, Irma. J'ai le cœur serré. Attendez que je regarde au tableau des sonnettes. Comme tu es sensible, mon Irma, autant que tu es intelligente. Mais non, mon grand, j'ai ce qu'on appelle l'intelligence du cœur. Non, c'est le clochard qui avait sonné. Faudra plus m'appeler comme ça, voulez-vous? J'aimerais du chocolat. Bouillant. Des croissants coupés en deux, passés au four et bien beurrés. Allez! Comment il va, le baron? Il n'est pas encore réveillé. Eh bien, mais c'est bon signe, ça. Vous étiez en conférence, là, tous les trois? Oh, non, non. C'est-à-dire qu'on bavardait. En guettant le réveil de monsieur le baron. Oui. Je les entends d'ici, allez, vos bavardages. Rien qu'en vous regardant, du reste, on est fixé. Vous vous demandez, non sans raison d'ailleurs, si l'on n'est pas en train de mettre le grappin sur votre malheureux patron. À la vérité, je vais vous dire une bonne chose. Asseyez-vous, Irma. Il y avait là 2 femmes dont l'influence, à mon avis, devait être combattue. Il en reste encore une. C'est la comtesse? Non. Oh! Non! Je l'ai neutralisée, la comtesse. Quand je l'ai vue arriver hier avec la famille, je me suis dit, toi, ma vieille, tu veux mettre la main sur le pauvre baron, il faut empêcher ça. Quand on a commencé à sauver la vie de quelqu'un, il faut aller jusqu'au bout.
D'autant plus qu'il m'est devenu très sympathique à moi, cet homme-là. Parce qu'au fond, c'est un naïf. Alors hier soir, quand j'ai su qu'il s'était endormi, que l'infirmière était dehors, je suis monté chez la comtesse. Et vous lui avez dit ? Non, rien du tout. Je lui ai rien dit du tout. Je vous avais donné hier après-midi un aperçu de mon courage ? Oui. Ouais. On m'a vu me jeter à la tête d'un cheval. Et avec quelle désinvolture. Or, j'ai fait mieux depuis. Je me suis envoyé cette nuit la comtesse. Alors, les Bayards, les Condés, les Turennes, ils peuvent toujours venir s'aligner. Donc, la comtesse, pour l'instant, pouf, neutralisée. On va lui mettre un peu d'huile et un petit produit. Reste l'autre. L'autre danger. Jeune, jolie, et probablement sans le sou, puisqu'elle fait ce métier-là. Donc, ouvrons l'œil et le bon. Elle a dit hier qu'elle serait ici vers 11h. En général, ses femmes sont exactes. Quand elle arrivera, vous me l'amènerez ici et vous me laisserez seule avec elle. S'il vous plaît. Tu crois qu'il va se l'employer comme la comtesse? J'en sais rien. Mais toi, fais attention. Oh! Je t'en prie, hein. Non, mais regardez-la, celle-là. Qu'est-ce qui vous prend? Oh, bah, il est si beau. C'est elle, enlevez-moi ça. Elle concupisse toutes. Non, c'est ça, j'en étais sûr. Vous me reconnaissez maintenant? Maintenant, oui. Écoutez, on s'était vu qu'une fois et vous étiez en femme chic, comme aujourd'hui. Alors avec le voile et la blouse blanche, il y avait un peu de flottement. Maintenant, ça y est, je vous revois. Et vous êtes content de me revoir? Content, mon Dieu. Ça fait toujours plaisir de voir une jolie dame, bien élevée, douce, gentille. Et elle-même enchantée de se retrouver en pays de connaissance. Je ne vais pas juste là, moi. Où sont mes billets de loterie? Vos billets de loterie? Quand vous êtes venu chez moi, il y a de cela 8 jours. Oui, je cherchais du travail, alors de porte en porte. Oui, oui, oui. Je connais le refrain. Je vous ai répondu que je n'en avais pas du travail. Et vous m'avez offert un billet de 1000 francs. Que vous avez refusé. Je voulais du travail, je voulais pas d'aumône. J'ai fait la même chose ici. Oui, je sais. Mais quand vous assistiez, faites-moi faire n'importe quoi, me disiez-vous. Je vous ai alors confié 5000 francs pour aller m'acheter des billets de loterie. Quelle mémoire vous avez. C'est merveilleux. Eh oui, 5000 francs pour acheter des billets de loterie dont tous les numéros devaient se terminer par 5. Oui, par 5, en effet. Je les attends toujours. Qu'est-ce que vous attendez? Mes billets de loterie. Vous n'avez pas gagné? Mais je le sais aussi bien que vous que je n'ai pas gagné. Je l'ai lu dans les journaux. Mais je voudrais conserver mes billets. Mais pourquoi faire? La loterie est passée, ils sont plus bons à rien. Je les voudrais comme souvenir. Non, vous avez tort. Allez oublier ça. Non! Je veux mes billets. Je les ai pas sur moi. Où sont-ils? Dans mon coffre, à la banque. Vous les aviez achetés? Eh ben non, justement pas. Vous savez comment cela s'appelle, ce que vous avez fait là? Ah, ça peut s'appeler de différentes façons. Et premièrement, faire le bootmaker. Bon, 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 d'accord, c'est prohibé ce qu'ils font ces gens-là. Mais c'est pas canaille. Car les bootmakers, quand on gagne, vous avez perdu, je peux pas vous payer. Ce que j'ai fait, ça s'appelle avoir la double vue. Car je savais pertinemment que le 5 ne sortirait pas. Pour quelle raison? Mais parce que vous le jouiez. Et que vous ne pouvez pas gagner. Comment je ne peux pas? Allons, voyons, regardez-vous. Vous n'allez tout de même pas en plus avoir la chance au jeu. Et c'est pourtant, j'en avais eu. Ouais, de la chance? Ouais. Et bien cette fois, j'en aurais manqué. Ouais, mais vous ne risquez rien. Et le remords, ça compte pas? Ça compte peut-être, mais ça paye pas. Car si j'avais gagné, je sais pas combien. Mais vous ne pouviez pas gagner, vous n'aviez pas de billets. Si vous les aviez pris. Pour qui me prenez-vous? Bon, mais non. Pris, acheté. Ah, acheté avec vos 5000 francs. Eh bien, vous les perdiez comme vous les perdez, puisque le 5 n'est pas sorti. Mais c'est la tête sorti. Oh là là, tu de cise. Si le 5 était sorti, si j'avais pris les billets. Bon, supposons-le. Je prends les billets, vous gagnez le million. Je vous l'apporte là. Comme vous le voyez ici, qu'est-ce que vous en faites? Je vous donne 100 000 francs. Vous me donnez 100 000 francs. Donc en ne prenant pas les billets, je risquais de perdre 100 000 francs. Alors ne me dites pas que je ne risquais rien. Oh. Vous êtes extraordinaire, vous les malchanceux. Vous continuez à dire ici j'avais gagné, alors que vous avez précisément perdu. Moi, je suis plus logique. Et mon raisonnement, moi, il tient debout. Quand je vous dis, madame, vous ne pouviez pas gagner, je vous en donne la preuve. Car c'est un fait, ils sont perdus vos 5 000 francs. Pas pour tout le monde. Mais réfléchissons. Si je les avais joués, je risquais exactement la même somme que vous.
Or, croyez-vous que dans ma situation, je puisse risquer de perdre 5000 francs? Vous peut-être, moi pas. Mais elle n'était pas à vous. Mais il était bienvenu, puisque je ne les avais pas joués. Je me les ai pas appropriés. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Eh bien, pour les sauver, vos 5000 francs. Car si je les avais joués, ils sont en ce moment dans la poche de l'État. Vous ne préférez pas les retrouver dans la mienne? Vous voulez que je vous les rende, vos 5000 francs? Vous les avez sur vous? Ah non, non, cherchez mes cigarettes. Vous voulez que je vous les rende, vos 5000 francs? Ouais, vous ne me les devez pas. C'est d'ailleurs pour ça que je vous les proposais. Cigarettes? Non, merci. Tiens, des Égyptiens. Ouais, c'est un cadeau. De la comtesse. Pourquoi de la comtesse? Parce qu'hier, j'ai vu qu'elle en fumait. Ah oui, détective en plus. À mes heures. Vous l'aviez dit à la police? Quoi? Pour l'histoire de vos 5000 francs. Oh! Oh, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai dit là? Mais alors pourquoi ils me recherchent, ces gens-là? Vagabondage, peut-être. Ouais, peut-être. C'est curieux de penser qu'on est un vagabond. Quand on a tant de chance au jeu, car enfin c'est prodigieux de constater que sur des centaines de numéros, pas un seul 5 n'est sorti. Enfin, vous êtes un vénard. Tout bêtement. C'est la première fois que je m'en aperçois. Et tenez, ça c'est à vous que je le dois. Peut-être n'avez-vous de la chance qu'au jeu. Ce sera suffisant. Peut-être même n'en avez-vous qu'à la condition que vous jouiez avec l'argent d'une autre personne. C'est possible. Et j'en arrive à me demander s'il n'y aurait pas là une mine à exploiter. Vous, je veux vous venir. Nous sommes aujourd'hui. Mercredi. Parfaitement, la loterie c'était ce soir. Et je crois aux coïncidences. On peut faire une affaire formidable. À nous deux. Et pardi. Parce que l'un sans l'autre. On vaut pas tripette. Tandis que le vénard rêve comme un passe-lacet, en association. Avec la malchanceuse. Elle, pourrie de fric, ça devient du billard. À la condition. À la condition. Qu'il joue à son idée. Naturellement. Il prend les numéros qu'il veut. Il n'en souffle pas un mot. Et dès le moment où on prend les journaux. Il dit s'il a gagné. Ou bien s'il a perdu. Il aura gagné. Oui. Sûrement. Voyons, est-ce que 5000 francs? Oui, oh, une gentille petite somme. Et si je vous en donne 10 000? 10 000? Vous devenez gourmande. Pourquoi est-ce qu'on est là de jeûner? C'est vrai? Donnez-les-moi. En vérité, j'en ai 50 000 dans mon soc. Le voulez-vous? 50 000 francs de billets de loterie. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Oui. Mais alors? Je vous écoute. Il ne faudrait pas qu'ici quelqu'un s'en aperçût. Oh, surtout pas. Or, s'il nous arrivait de gagner seulement 3 millions, est-ce que cela ne se verrait pas sur notre visage? Est-ce que nous n'aurions pas des sourires complices? Étons-le tous les deux. Étant là tous les deux, voilà ce qu'il fallait dire. Il n'y a qu'un moyen pour empêcher cela, c'est de ne pas être là tous les deux. Nous sommes enfin d'accord. Et je vous vois très bien, ne remettant plus jamais la pied dans cette maison. Pour vous céder ma place. Oui. Alors vous avez cru que pour 50 000 francs... Non. Combien vaut la vôtre? Et vous? Ça vous fait rien? Oh oui. Parce que c'est la guerre maintenant que vous me déclarez. Et moi, je préfère. Ne vous pas dire, moi, vous n'aurez pas le baron. Moi? Mais vous? Mais c'est vous qui n'aurez pas tant que je serai vivante. Moi? Oui, vous. Mais je ne veux pas le baron. Mais moi non plus. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut, le baron? Mais j'en sais rien. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous ne voulez pas lui mettre le grappin dessus. Le grappin? Mais qu'est-ce que j'en ferai, bandit du grappin? Vous voulez rire? Et devenir baronne, non? Baronne. Je suis marquise. Marquise? Oui, ben marquise ou pas marquise, vous m'avez proposé 50 billets pour vous céder ma place. Pour vous en déloger? Imposteur que vous êtes. Vous n'êtes pas ici, ma place. Et la mienne, vous croyez qu'elle est ici? Vous ne me croyez pas dans mon cadre, non? Pourquoi y restez-vous, alors? Mais parce que vous y êtes! Alors, si je m'en allais... Ah, vous les entendriez derrière vous, mais pas. Non, pour un clochard, c'est rigolo 48 heures de dire à des larvins, mon chocolat, mes pantoufles. Mais il n'y a pas ça qui compte. Il y a autre chose. Écoutez, si c'est à cause de moi que vous êtes là, soyez gentil, allez-vous-en, que je m'en aille. Non. Vous ne me croyez pas sincère en ce moment? Je n'ose pas. Alors partons ensemble. Ensemble? Oui, enfin, je veux dire en même temps. Chiche. 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 Ah, eh bien quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Non, non, je ne sais pas si c'est très bien ce que je fais là. Quoi, de partir? Non, de vous laisser vous en aller. Il ne faudrait pas en plus que ça lui fasse de la peine. Moi, vous êtes bien gracieux. Je ne crains plutôt que ce soit vous qui lui en fassiez de la peine. Moi, vous savez, il y a sa santé à lui. Sa santé? Ouais, c'est peut-être pas le moment de priver de vous. Pour une malheureuse entorse. Mais est-ce que vous savez qu'il ne s'est pas encore réveillé? Il ne s'est pas encore réveillé? Comment, on ne vous l'a pas dit? Eh bien non,
Ah, mais dis-moi le cœur. Madame Irma. Ah, vous pouvez crier plus fort. Madame Irma. Viens tout de suite, mademoiselle. Monsieur le baron n'a pas sonné encore. Comment, mademoiselle? Monsieur le baron n'a pas sonné encore. Non, mademoiselle, pas encore. Oh, c'est extraordinaire qu'il ne soit pas encore réveillé. Bon, oh, il vient de sonner. Non, ça c'est l'entrée. C'est très inquiétant, n'est-ce pas? Non, mais c'est absolument singulier. Il s'est pas encore réveillé. Oh, pas encore. On n'a pas passé à la radio. Si ce matin, très bonne heure. Alors vite, donnez-la-moi. Je l'ai glissé sous sa porte. Essayez de la reprendre. Mais j'ai peur de le réveiller. Tâchez de l'avoir sans faire de bruit. Mais je pourrais pas, je l'ai lancé. Alors entrez tout doucement. Ah, ça, j'oserais jamais. Là, je la comprends. Enfin, mon Dieu, que peut faire? Ah, ne nous affolons pas. Personne ne s'affole. C'est pourtant bizarre. Ah, toi. Oui. Comme on dit aux gens qu'on tutoie. Madame la comtesse ne vous emmène pas. Écoutez-moi. Oui, mademoiselle. J'estime qu'il faut le réveiller. Voyez. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'il n'a pas eu une faiblesse. Vous êtes pas plus. C'est jamais. Irma, vas-y donc, toi. Non, Irma, c'est à toi de le faire. Préférez-vous que j'y aille? Il vaut peut-être mieux d'abord que j'ai un œil. Bon, alors j'y vais. Non. Ah non, Irma, courage. J'en aurai. Alors, il est sorti. Monsieur le baron de Saint-Robert, ne serait pas chez vous par hasard? Vous l'avez pas même aperçu depuis plus de 8 jours. Quel dommage qu'il n'y ait pas un troisième téléphone. Oh, bon, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie beaucoup, oui, madame. Merci. Bon, eh bien, on l'a vu nulle part. Eh bien, c'est qu'il doit être ailleurs. Pourquoi dites-vous ça? Pour dire quelque chose. Soit, mais ne dites pas n'importe quoi. J'ai visité tous les placards. J'ai regardé sur tous les meubles. Je suis allé jusqu'à la cave. Il a pris son chapeau bleu. C'est incompréhensible. Non, puisqu'il a gardé son costume bleu. Oh, mais non. J'ai dit que c'est incompréhensible qu'il soit sorti comme ça, sans prévenir personne. Même en supposant que la radio l'ait tranquillisé. Mais, moi, précisément, qu'elle ne l'ait inquiété et qu'il ne soit sorti. Mais enfin, dans quel but? Mais je vous en prie, madame. Oh, mais il se frappait hier au soir. C'était plus le même homme, ça faut bien le dire. Ah, non. Oh, mademoiselle, êtes-vous absolument certaine que cette radio soit assez claire? Même pour un profane. Mais madame, voyons, regardez-la vous-même. Moi? Attends, écoutez, j'y connais rien. C'est monsieur le baron. Oh. Il n'en reste plus que les os. Venez voir Irma. Oh non, ça n'était de mort. Ce n'est pas sa tête, c'est son pied. Vous voyez son tibia? Ah oui, alors je crois l'apercevoir, oui. Voilà son astragale, voilà son scaphoïde, oui. Quant à son cuboïde. Cuboïde, faites voir. Oui, nous voilà. Vous le voyez, vous, son cuboïde? Comme je vous vois? Non. Et je ne vous parle pas de son métatarsien. Ah, parce que son métatarsien... Ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Puisqu'elle n'en parle pas. Aucune fracture n'est visible. Et l'entorse, à vrai dire, est tout au plus bénigne. Donc cette radio n'a pu que le tranquilliser. Je m'étonne seulement qu'aucune note du docteur ne l'accompagne. D'ailleurs, cette enveloppe m'étant adressée à madame l'infirmière du baron de Saint-Lambert, vous n'auriez pas dû la lui remettre à lui. Mais j'avais cru bien faire à la lui glissant sous sa porte puisqu'il attendait avec tant d'impatience. Pourquoi ne dites-vous rien de mon coup de téléphone? Quel coup de téléphone? Celui que je vous ai donné ce matin vers 8h. Mais j'ai pas reçu le coup de téléphone. Oh! Ah, alors là, vous m'avez répondu, hein? Ah, j'ai bien reconnu votre voix de grand voyou. Mais c'était pas moi! Ah! Non! Qu'est-ce que vous me disiez? Oh là, je vous faisais mes compliments. Mon Dieu, tu les as recueillis. Allô? Oui, c'est ici. Comment dites-vous? Oh, monsieur a eu un accident! Oh, c'est possible, enfin, allô? Allô, ben oui, monsieur, oui, je vous écoute. En fait, qui êtes-vous d'abord? L'agence Clémentale. Ah oui, c'est une agence de presse. Mais enfin, où l'a-t-il eu, monsieur, cet accident? À la hauteur? Du 42? Oui? Du co... Quoi? Du quai Voltaire? Oh, mon Dieu! Eh bien, j'ai tombé à mon droit qu'hier. Oui. Ça y est, il s'est suicidé. Oh, on était certaines. Non, non, non. Ah. Allô? Allô? Allô, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Non, je n'ai pas changé ma voix, mais nous sommes plusieurs. Oui. 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 Bon, un instant. En traversant la chaussée, il a buté, il a glissé. Un fiacre revenait sur sa droite, il ne le voyait pas. J'en suis là. Continuez, monsieur. Oui. 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 Le cheval s'est cabré.
Je n'étais pas là pour lui sauver la vie. Alors, monsieur, je vous accorde. Ça va être notre tour après. Amant, pardon. À quelle heure cet accident s'est-il produit? Hier. À 5 heures. Je vous dis merde. Oh. Je vous demande pardon. Alors là, ne vous excusez pas. Faire des peurs pareilles, la mère qui mérite. Oh. Et puis, ça fait plaisir d'entendre ce mot-là dit par une jolie femme, ça met tout le monde à l'aise. Mais d'ailleurs, je vois pas ce qu'on aurait pu trouver d'autre. Ah, merde, ça veut tout dire. Vous fausser compagnie et vous faire cette surprise. Monsieur le baron y a réussi. Et alors, baron, vous ne souffrez plus? Non, plus du tout. C'est merveilleux. N'est-ce pas? Oh, comment? C'est vous mon infirmière? Mais oui. Eh bien, moi qui prétendais vous faire une surprise, jugez de mon étonnement. Et voilà qui me fait comprendre bien des choses. Bonjour. Bonjour. Oh. Bonjour, mon sauveteur. Il dit plus mon sauveur. Je suis passé dans les professionnels. Bonjour, mes domestiques. Bonjour, monsieur le baron. Et vous êtes sorti à pied? Parfaitement. J'avais une course urgente à faire. J'en avais tellement envie. Et j'avais manqué hier. Mon Dieu, si gauchement. C'est la rose de redouter. Oh, eh ben, quelle hein, qui a failli me coûter la vie. Regardez donc, comtesse, comme elle est charmante. Ah oui, ça, très, très, très jolie. Où allez-vous la mettre? Oh, hein? Mais... à la place d'honneur, vous pensez bien, pardon. Et attention, vous autres, pas d'accident. J'y tiens. J'y tiens, comme on tient, d'ordinaire, aux choses qui ont failli vous échapper. Peste! À la place d'un bateau. Oui, parce que les bateaux, c'est fait pour aller vivre avec les fragonards. Alors, Victor, avec d'infinies précautions, vous allez déposer ces dessins dans la voiture de mademoiselle. Parce qu'il y a, devant la porte, une voiture, mademoiselle, dont je crois qu'elle ne peut appartenir qu'à vous. Je suis infiniment sensible à ce présent. Eh bien, ce présent, mademoiselle, c'est le passé qui vous le fait. Irma, allez donc à côté nous préparer quelques cocktails. Bye, 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 bye. Emmenez votre personnel, voyons. Voilà. Elle est folle de bonheur depuis qu'elle peut faire le signe. Bon, alors, maintenant, je vous prierai de bien vouloir me laisser seul 2 minutes avec la comtesse. Je crois qu'on va pouvoir s'en aller tous les deux, sans crainte et sans remords. J'ai même l'impression que nous pourrions rester tous les deux sans danger. Comtesse, est-ce que j'imite bien les voyous séducteurs? Hein? J'en sais rien, mon ami. Pourquoi me demandez-vous cela? Ce matin, vers 8h15, je me suis levé. Je suis venu ici pour dégourdir un peu cette cheville. Alors pendant que je faisais les 100 pas dans ce salon, le téléphone a sonné. Le silence était si profond que par bonheur j'ai pu l'entendre. J'ai décroché le récepteur et sans préambule aucun, vous m'avez demandé si j'étais fortuné. Oui, mais pas fortuné. Fortuné. Alors j'ai changé un peu ma voix, j'ai dit que c'était moi, fortuné. Alors, vous m'avez fait des compliments. Hyperbolique et pour tout dire révélateur. Alors dites donc, c'est vrai, c'est à ce point-là de ventiler. Non. Écoutez, je vous en prie, mon ami, enfin, vous voyez pas que c'est horrible? Oh ben, je trouve ça plutôt inespéré, moi. Pour moi? Bah, oui, mais pour lui aussi, parce que tout ça va remettre bien des choses à leur place. C'est cette idée que vous avez de lui acheter une maison. Ah, comment est-ce mon exquis? Olaine, bonne étape. Oui, ça, dans la Sarthe, oui. C'est une excellente idée. Ah bon, c'est vrai? Alors ça, vous le pensez? Vraiment? Parole d'honneur. Ah, ça vous en débarrasse, en somme. Aussi, hein? Oui. Ah, oui. Et si je vous disais que c'est la vraie raison qui m'a déterminée? Oh, bah, alors, je vous croirais. Ah, oui, j'ai combattu sur mes moyens l'ascendant qu'il prenait sur vous. Voilà. Voilà, oui, téméraire à votre tour, vous êtes élancé à la tête du cheval. Pour l'écarter de sa route et tâcher qu'il s'emballe. Eh bien, plaisantez, mon ami. Vous pouvez plaisanter, mais je peux vous jurer
que j'ai pensé à vous. Oh, bah vous me faites peur, là. Avant, après? Hein? Pendant. Oh! Pendant, dit-elle. Oui? Ça ne vous a pas gêné, non? Ah, bah là, ça ne vous regarde pas. Bon, allez, assez d'horreur. Dites-moi, qu'est-ce que diront les gens d'Olaine, bon étable, qu'ils connaissent quand ils nous verront là, tous les deux? Bah, ils voulaient qu'ils disent. Je ne sais pas, c'est drôle de couple, non? Oh, bah, fou, non. Alors, ils riront d'un air entendu? Oh. Je ne vois pas rire dans la Sarthe, moi. Bah, soyez donc pas méchants pour une fois et dites-moi, qu'est-ce qu'ils diront? Eh bien, mais ils diront que sa mère enfin l'a reconnue. Ah, vous aimeriez me dire des choses désagréables, mais vous ne sauriez, parce que je donne amour au fond. Ben, soyez-le encore un petit peu et envoyez-moi mon infirmière, vous plaît. Bon, mais un amour à l'amour. Enfin, j'y vais. Vous savez que vous ne le méritez pas, hein, non. Que j'y aille. Enfin, j'y vais quand même. Oui, ben, j'ai l'essentiel. Voilà. Un enfant. On est un peu comme chez le dentiste. Oui, ou chez le juge d'instruction. La personne, si bon, que c'est à moi de comparaître. Pour une mise en liberté immédiate, agissez-vous seulement quelques instants, mademoiselle. Et je ne ferai rien pour vous cacher la gêne profonde que j'éprouve à me trouver en face de vous. Ah, je ne sais pas ce que vous pensez de moi, tel qu'en ce moment vous me voyez. Je vous avouerai franchement que je ne vous reconnais plus. Le ciel en soit loué, car si vous ne me reconnaissez pas aujourd'hui, ça tient à ce qu'hier. J'étais méconnaissable. Ah oui, c'est aujourd'hui que je lui ressemble. Hier, j'étais ému, bavard, douillet, suppliant. Je vous disais, restez, ne m'abandonnez pas. Je vous ai offert des sommes astronomiques, hein, pour vous garder à mes côtés. Je vous en fais toutes mes excuses. Devant vous que je voyais pour la première fois, je me suis conduit comme un goré. Je me suis apitoyé sur ce membre inférieur. J'ai fait l'idiot, pas tout ça pour une entorse. Votre imagination dépassait la mesure. Vous redoutiez l'opération, ce qui vous faisait craindre la mort. C'est pas une raison pour manquer de savoir-vivre. Vous savez, j'en étais à ça de vous prier de bien vouloir prendre ma température. Mmh, vous savez, les malades... Ben voilà, vous venez de dire le mot. Car nous ne sommes pas des gens malades, nous sommes des malades. Et les malades sont tous les mêmes. Ah, ben justement, il faut pas... Ah non, oh mon Dieu, vous imaginez ça? Ah non, alors, faut pas qu'on soit tous les mêmes. Être malade est affreux, c'est triste, pour votre propre. Quand on est malade, il faut se cacher, parce qu'en vérité, on n'est plus tout à fait soi-même. Vous savez, hier, j'ai eu brusquement l'impression de tomber dans un de ces vaudevilles. Oh, papa, comme on les jouait jadis, dans les théâtres de quartier. Mais c'est vrai, vous ne seriez pas resté hier soir, hein, après que tout le monde fut parti. Vous ne m'auriez pas parlé comme vous l'avez fait, avec cette cruauté, privilège de la jeunesse, mais cette franchise, apanage de la beauté. J'allais commettre bien des folies, moi. J'allais reconnaître ce garçon, vous savez, et qui pisait. J'étais à deux doigts d'épouser la comtesse. Oh non, on aurait tout vu. Quant à vous, il vous suffisait de deux mots pour faire mon malheur. Lequel? Je reste. Êtes-vous maintenant complètement tranquillisé sur votre maladie? Oh, bah, mon Dieu, je pense bien. Mon amour adoré, mais il n'a rien, ton vieux baron. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une lettre. Sans enveloppe qui accompagnait la radio. Ah oui, voilà la clé de l'énigme. Mon amour adoré, mais il n'a rien, ton vieux baron. Il peut courir comme un lapin. Alors c'est pour ça que je suis sorti. À tout à l'heure, dans tes bras, et c'est signé Gilly Gilly. Est-ce que je peux me permettre, de vous demander qui est l'heureux Gilly Gilly? Gilbert de Pralognan. Comment, cet admirable chirurgien et fort bel homme. En outre, il est vrai le saphir. Oui, et vous, mademoiselle, est-ce que je peux me permettre de vous demander qui vous êtes? La marquise de Pralognan, Sophoum. Sophoum, oh mon Dieu, c'est exquis. Oh, que j'ai d'excuses à vous faire. Et le vieux baron, qui est-ce? C'est un client. Un bon client? Non. Non, pourquoi? Parce qu'il a une santé de fer. Ah oui, vous croyez qu'il vivra vieux? Jusqu'à 100 ans. Oh, ben vous n'êtes pas généreux. Je veux que vous ayez une surprise. Oui, je vous reconnais bien. La Camerera Mayor. Combien de couverts à déjeuner, monsieur le baron? Oh, j'ai entendu comme un gazouillis exquis, mais je n'ai pas compris un mot. Combien de couverts à déjeuner, monsieur le baron? Voilà. Un seul. En plus? En tout. Oh. Oui, vous récupérez le baron.
Ils vont être bien contents, vous savez, à l'office, tel que je les connais. Oh, regardez donc le joli couple qui nous vient. Nous venons vous faire nos adieux. Attends-moi là, toi. Oui, mon grand loup. Eh bien, monsieur le baron, il nous est arrivé là une aventure singulière. Insolite. Soudaine. Inévitable. Et brève, heureusement pour vous comme pour moi. Dont je vais cependant garder un profond souvenir. Profond. C'est peut-être beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Oubliez-le. Vous demandez l'impossible. Quand vous m'avez demandé hier si je vous avais sauvé la vie, je vous ai répondu non, au contraire. Ah oui, et moi je vous ai dit ne plaisantez jamais avec ça. Eh bien, je ne plaisantais pas. Et il vaut mieux que vous sachiez la vérité. Quoi donc ? Quand vous vous êtes lancé hier comme un fou pour traverser le quai Voltaire, oui. Figurez-vous que je m'ai lancé aussi, mais pas vers vous. Non ? Dégoûté de tout, et quand on dit de tout, c'est-à-dire de tous et de soi-même. Je l'ai tout simplement me jeter dans la Seine. Oh ! Mais vous glissez, vous tombez, et vous connaissez la suite. Alors vous comprenez que celui des deux qui doit dire merci à l'autre, eh bien ce n'est pas celui qu'on pense. Donc, monsieur le baron. Tu m'as sauvé la vie. Ah, quel joli sujet de pièce. Et vous savez, je ne vais vous en aimer que davantage encore. Et pourtant, vous partez. Comme ça, vous n'aurez ni à me mettre dehors, ni à me retenir. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui ne sont pas faits pour vivre ensemble. Oh, bah, tout est là. Et convenez qu'il aura fallu que vous tombiez bien bas pour qu'on se rencontre, vous et moi. N'ajouterai pas un mot à cela. Si ce n'est un geste prémédité depuis ce matin... Non, non, pas d'au monde, jamais. D'ailleurs, viens ici, toi. Oh, il est exquis, hein. Comme vous le voyez, j'épouse la comtesse. Je cherchais du travail, et là, j'en ai trouvé. Allez, allez, viens, ma gosse. Ça va tout de suite, mon voyou. Alors voilà. Écoutez maintenant, j'aimerais une voix, un mot, un geste. Enfin, quoi que ce soit, qu'il ne soit pas moqueur. Oui, un souvenir. Si vous voulez. Vous voulez une photographie? De vous? Oui. Eh bien, avec joie. Et vous me promettez de la faire encadrer. Ben voyons. C'est juré? Oh, puisque je vous le dis. Bon, alors, alors tiens. Oh. C'est votre pied. C'est mon pied, oui. Et où vais-je le mettre? Oh, quelque part. Comtesse! Oh. Allez, hop. Marquise. Baron. Victor. Au revoir. Peut-être adieu. Qu'est-ce que vous préférez? Je préfère adieu. Ah oui, c'est plus prudent. Merci. Voilà. Ah non, madame, encore un mot. Si un jour, oh dans très longtemps, j'étais à la mort, et si je vous ai demandé de venir à mon chevet... C'est entendu. Comptez sur moi. Je ne viendrai pas. Merci. Ah, si je vous avais connu il y a 25 ans, vous... J'avais 2 ans. C'était bien jeune. C'est vrai. Irma, apportez-moi une paire de ciseaux, je vous prie. Vas-y. Oh.